les intervenants et Valérie de la bibliothèque départementale pour l'organisation de cette journée et remercier tous les intervenants d'avoir participé ici à la bibliothèque départementale de l'Ariège. Ça a été un peu compliqué et long à réussir à aboutir finalement, puisqu'on a dû reporter plusieurs fois. Mais on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, et particulièrement sur une thématique scientifique, parce que je ne sais pas si c'est parce que les bibliothécaires sont beaucoup de formation littéraire au départ, mais c'est vrai que la science n'est pas tellement présente dans les actions de médiation ou l'action culturelle des bibliothèques, et donc c'est important pour nous de valoriser ça et de développer ça. Et il me semble que cette action est vraiment très intéressante par rapport aux modalités pour la science en bibliothèque. On espère que ce sera porteur. Et aussi, avec Valérie, on est très content de participer à cette opération menée par Occitanie Vraie Lecture. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je suis sûre que ce sera très riche d'enseignements et je remercie encore tous les intervenants qui y participent. Voilà, bonne journée à vous. Merci. Donc, du coup, j'ai juste ajouté un petit mot pour l'organisation de cette journée. Moi, je m'appelle Mathieu Chaumont, je fais partie de l'association des lire d'encre. C'est une association qui est située à Toulouse et on participe du coup à l'organisation de ces journées avec les médiathèques départementales et Occitanie Vraie Lecture. Du coup, je remercie aussi Mélanie Marchand qui ne pourra pas être là sur place aujourd'hui, mais qui nous regarde en ligne. Voilà, et du coup, bien sûr, remercier tous les intervenants qui ont, malgré le report, pu quand même se présenter aujourd'hui et faire un petit point sur les journées qu'on organise chaque année. En fait, c'est un fil conducteur un petit peu de journées qui a eu dans plusieurs départements. Du coup, là, c'est la première de l'année, mais elle est reportée du coup du 20 novembre l'année dernière. Et il y aura plusieurs autres journées. Au mois de mars, il y a une journée qui est liée aux couleurs, liée au festival Science et Livres, donc le 24 mars. Ensuite, au mois de mai, il y aura une journée dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude sur plutôt tout ce qui va être solaire et énergie solaire. Après, on aura aussi une journée au mois d'octobre avec les Herses et les Pyrénées. Et ensuite, une journée en décembre avec le Lot, l'Aveyron et l'Hérault, polie sur le thème plus de la pollution lumineuse et des étoiles, et l'autre sur la météo. On va vous présenter un petit peu, en fait, cette journée est inscrite dans un cycle de rencontres. Et voilà, pour présenter un peu la journée, évidemment, du coup, il y a deux tables rondes ce matin, des ateliers de l'après-midi et une petite pause après. Donc voilà, je vais laisser la parole à mes intervenants. Merci à vous. Bonjour, alors moi je suis José Massier, je suis chargée d'animer cette table ronde, accompagnée de nos spécialistes de la montagne, que je ne me trompe pas, Bastien Chadel, voilà, spécialiste en géologie, mais il se présentera davantage parce que je ne vais pas, il sait mieux que moi dire ce qu'il fait. Céline Pallier, pareil, géoarchéologue, géomorphologue, je me suis entraînée, et spéléologue, pareil, vous présenterez. Et puis Emmanuel Roudier, qui est un auteur illustrateur. Alors, il y a là la bande dessinée, voilà, spécialisée en préhistoire, mais pas que. Et il va nous expliquer ce pas que. Voilà. Donc le thème de la table ronde est au cœur de la montagne et on va voir à partir de ces présentations comment on va pouvoir voir les différents aspects de la montagne. Moi je suis une passionnée de montagne, les différents aspects de la montagne à travers je pense la vie animale, la vie humaine et tout ce qui peut être découvert à partir justement de l'étude des roches, de l'étude de la formation, tout ça. Donc je vous laisse la parole, si Bastien, si vous voulez commencer, présentation un peu de ce que vous faites. D'accord. Merci. Je vais faire une présentation qui va être un tout petit peu longue, mais ça va permettre d'avoir peut-être des sujets de discussion après. Ça permet de rebondir. Voilà. Merci. Alors déjà, je vous remercie pour votre invitation. Alors je m'appelle Bastien Chadel, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Les Aïzis en Dordogne, donc où on a qui est appelée la capitale de la préhistoire et la vallée de l'homme. Donc on a beaucoup de grottes avec des peintures préhistoriques comme Lascaux, Fond de Gomme. Donc c'est un peu comme l'Ariège, hein. C'est
un endroit où les hommes préhistoriques sont venus. Donc du coup, je suis originaire de là-bas. Mon père est préhistorien. Donc quand j'étais petit, j'allais dans les grottes et j'allais sur les chantiers de fouilles. Et ensuite, donc j'ai fait des études en géologie à l'université. Et au moment de m'orienter pour le master, j'ai pas choisi un master de préhistoire, d'archéologie, mais j'ai choisi celui de géologie. Et alors c'est en géologie pétrolière. Alors c'est un peu différent évidemment de la préhistoire, mais ça m'a permis d'avoir des. C'est donc les géologues qui ont les meilleurs outils pour comprendre la géologie. Ils ont de l'argent, c'est pour ça. Et donc du coup, ensuite. Donc j'ai pas continué dans cette voie-là, mais j'ai eu la chance de rencontrer donc Hubert Camus, donc c'est un collègue qu'on connaît, qui est un des grands spécialistes des grottes et puis de l'archéologie dans les grottes. Et donc je travaillais plusieurs années avec lui pour ensuite rencontrer donc Laurent Bruxelles, donc c'est mon directeur de thèse. Donc c'est un grand chercheur en France qui travaille aussi dans les grottes. Donc on parle de karstologie, donc l'étude du karst, et donc il dirige des missions en Afrique. Et il a eu des financements en fait pour avoir un doctorant pour préparer ses missions de terrain. Donc c'est là où moi j'arrive avec mes compétences de géologue et pour travailler avec lui sur l'Afrique. Et donc son idée c'est qu'il y a plusieurs berceaux de l'humanité en Afrique. On connaît l'Afrique du Sud où on a des australopithèques qui sont préservés dans les grottes et des australopithèques qu'on connaît aussi au niveau de l'Éthiopie. Au niveau de dépôts en plein air. Et son idée, c'est de se dire qu'on peut avoir, dans plusieurs pays en Afrique, au niveau de karst et puis de montagnes, on peut avoir peut-être d'autres grottes qui ont préservé des australopithèques. Et donc, le but de ma thèse et de ces missions sur le terrain qu'on réalise avec une équipe de spécialistes, c'est d'essayer de partir à la recherche de fossiles d'australopithèques dans les grottes. Donc ça, c'est le travail que je fais en ce moment. C'est un travail dont un doctorat à l'université de Toulouse. Voilà pour situer un peu. Alors, Céline. Alors, moi, je suis géomorphologue. Pour la petite histoire, vu que Bastien est parti de loin, j'ai vécu... On a eu des bibliothécaires en roman simple. De mes 0 à mes 18 ans en Savoie, du coup, en montagne aussi, dans les Alpes. Et ensuite, voilà, j'ai eu un cursus universitaire plutôt vers Montpellier. Et j'ai été embauchée en archéologie préventive à l'INRAP depuis maintenant longtemps. Je vais pas compter dire le nombre d'années. Et mon rôle en archéologie préventive, c'est d'intervenir sur les terrains pour expliquer un peu l'évolution du paysage au fur et à mesure des occupations humaines. Donc ça va des dernières périodes glaciaires jusqu'à quasiment nos jours, en fait. Plus spécialement, je suis intervenue dans les Pyrénées, notamment sur la grotte du Mas d'Asile, sur laquelle j'ai fait une thèse avec le même directeur que Bastien, avec Laurent Bruxelles, et que j'ai soutenu l'année dernière. Et dans ce cadre-là, plus spécifiquement, on a effectivement travaillé donc sur les cavités, qui sont un contenant, on va dire, qui piège les sédiments et qui nous permet de lire ces sédiments qui ont pu être érodés à l'extérieur. Et à travers cette lecture d'une stratigraphie, la succession de l'accumulation sédimentaire, ça s'appelle une stratigraphie, à travers cette lecture, eh bien, on arrive à comprendre comment a évolué le paysage. Et notamment, du coup, pendant la dernière période glaciaire, entre l'Aurignacien, il y a 35 000 ans, 38 000 ans même, et même les périodes jusqu'au néolithique, on va dire, en gros, sur ce qui concerne la grotte du Mas d'Asile. Voire même les périodes plus récentes, parce qu'on a fait des nouvelles découvertes sur... des exploitations de salpêtre qui ont eu lieu très récemment, enfin, à partir des années 1580 jusqu'à très probablement les 19e siècle. Donc voilà en gros ce qu'on cherche, ce qu'on étudie. Merci. Et donc nous avons Emmanuel Roudier
qui va expliquer, parce que on va faire le lien avec, ouais, avec les autres. Mais oui, oui, moi je. Alors je suis auteur, je suis pas scientifique de formation du tout, je suis une formation illustrateur en somme. Et j'ai commencé à travailler dans l'illustration jeunesse et scientifique. Et très rapidement, j'avais envie de raconter des histoires qui se passaient durant la préhistoire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, pour, du coup, je me suis documenté grâce aux travaux de gens comme vous deux, en lisant des ouvrages et après en visitant des sites. Et donc, par exemple, mes premières publications, c'était des bandes dessinées qui racontaient la vie dans la préhistoire récente, puisque c'était le paléolithique supérieur, les rencontres sapiens, néandertal. Et j'ai eu besoin de me documenter sur l'aspect de la flore, de la faune, et sur les grottes, puisque bien sûr il y a des passages dans les grottes, même si elles n'étaient pas toutes habitées régulièrement, quoi. Et ensuite, plus récemment, j'ai diversifié un peu mon travail d'auteur en allant vers les jeux de rôle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les jeux de rôle, le principe des jeux de rôle. C'est pas sur ordinateur, hein, c'est des jeux qui sont des sortes de jeux de société narratifs où on raconte des histoires qui vont se passer dans des endroits. Et moi, j'ai créé un jeu de rôle qui se passe durant la préhistoire. Et notamment, ces jeux de rôle, ils se jouent, en fait, chaque partie est différente, puisque on propose des scénarios qui vont se passer dans un cadre, et il y a une nouvelle aventure à chaque partie. Et j'ai écrit beaucoup de scénarios qui se passent dans les montagnes des Pyrénées. Du coup, j'ai dû me documenter assez spécifiquement, beaucoup plus spécifiquement que pour l'écriture d'une bande dessinée, parce que les joueurs qui vont jouer dans ces parties de jeux de rôle, ils doivent pouvoir se sentir libres d'explorer les endroits comme s'ils y étaient vraiment. Alors j'ai eu la chance de pouvoir visiter pas mal de ces endroits, mais avec un œil pas scientifique, avec un œil vraiment d'auteur qui doit essayer de raconter des histoires et d'extrapoler à partir de ce qu'on a comme documents, qui sont souvent assez complets, mais il manque toujours le petit truc. Il manque. C'est pas vraiment un manque, hein, c'est plutôt qu'au contraire, il y a des petites failles dans lesquelles on peut se glisser pour inventer des histoires. Voilà, donc c'est ce qui fait que je me suis passionné pour la recherche dans ces endroits-là. Alors j'ai pas été lire in extenso des ouvrages de géologie, parce que c'est trop pointu pour moi. mais voilà, en tout cas les ouvrages sur la préhistoire, je les ai bien dévorés, et de manière à pouvoir ensuite, maintenant je fais en plus des créations de BD et de jeux de rôle, je fais aussi des illustrations scientifiques pour des ouvrages de vulgarisation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suppose qu'il y a déjà des questions. Vous en avez par Internet, non? Moi, la première question qui m'est venue à l'idée en lisant, ben, il n'y a pas que celui-là, parce qu'il y a un magnifique qui s'appelle Ariège Grandeur Nature. Il y a un peu de géologie, mais vous connaissez. Certes de vulgarisation, mais quand on n'est pas spécialiste, ça fait du bien aussi. Moi, j'avais comme point de départ, justement, la géologie. Est-ce que la géologie, l'étude de la géologie, tout ça, est-ce que c'est justement le point de départ de toute l'étude de la montagne? Est-ce que, par exemple, en observant la montagne, en observant ses reliefs, la végétation, la formation géologique, est-ce que ça aide à mieux découvrir ce qui se passe au cœur de cette montagne avec certaines découvertes? Ben, ça peut être un point de départ dans la mesure où c'est la matière qui explique la formation de cette montagne déjà. Et puis ensuite, ça va expliquer les terrains qui vont conditionner quel type de végétation va pousser ou pas, en partie, avec le climat. Nous, on travaille beaucoup en interdisciplinarité. Donc, rapidement, ça devient une discipline au cœur des autres, avec une interaction permanente avec, par exemple, la botanique, la zoologie,
Et nous c'est notre... C'est notre substrat. Alors, il y a la géologie ancienne qui est par de la formation de la montagne, et puis il y a de la géologie plus récente, qu'on appelle géologie superficielle ou géomorphologie, où là, c'est les formes des paysages, et ce que je vous disais tout à l'heure, l'étude des sédiments. Qui, là aussi, on a besoin de la géologie profonde pour savoir d'où viennent ces sédiments, comment ils ont été apportés là. Dans le cas de la grotte du Mazazil, je vais y revenir souvent en exemple, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, mais on peut en trouver d'autres. Les sédiments qu'il y a ont été apportés par la rivière en grande partie. Et comme on le sait, ce sont des galets ronds, des galets roulés, et puis qui ne sont pas calcaires, qui viennent des montagnes en amont, qui sont composés de schistes, de quartz, etc. Donc on a ces galets qui n'ont rien à faire dans la grotte et qui ont été apportés là par la rivière. Donc c'est leurs caractéristiques géologiques, pétrographiques, qui nous donnent l'indication de leur provenance. Et leur forme qui nous donne quel facteur, quel agent les a apportés là. On a aussi dans la grotte du Mas d'Azil un autre type de sédiments qui sont des tout petits cailloux anguleux de calcaire. Donc là, c'est pas le même mode de transport. Ils n'ont pas été déposés au même moment et leur origine est différente. Ils sont plus, ils ont une origine locale. Donc voilà, c'est toute cette démarche-là qui fait que la géologie est intéressante et nous donne effectivement des indications sur l'évolution de cet environnement. Attends, je peux continuer. Oui. Pour, moi j'ai fini. En fait, c'est ça. Donc vous avez compris, nous on travaille sur des grottes, donc c'est des objets, et en fait il faut les contextualiser. Ça veut dire pour comprendre, par exemple, les sédiments qu'il y a dans la grotte, ou pourquoi tel panneau va être gravé ou peint à la préhistoire ou pas, il faut recontextualiser ça dans le contexte local et régional. C'est-à-dire que si on travaille sur une grotte, il faut travailler en fait sur le massif dans lequel elle est, sur les rivières qui ont creusé les paysages autour. Donc en fait, il faut toujours dézoomer comme ça pour pouvoir après étudier les objets sur lesquels on travaille, quoi. Donc c'est très important de faire de la géologie dans le sens où c'est le substrat, tout ça, mais c'est aussi une histoire d'âge. C'est-à-dire qu'on veut travailler à des échelles, donc la préhistoire ou l'archéologie, c'est quelques milliers d'années, quelques millions d'années, et en géologie, on peut travailler sur des périodes beaucoup plus anciennes. Mais ça permet de bien connaître le cadre et donc de travailler sur les processus qui vont faire que les rivières vont venir éroder les roches, que les chaînes de montagnes vont être en collision et créer des reliefs. Donc c'est pas forcément que sur la montagne en elle-même, mais c'est si on travaille sur une grotte, il faut travailler sur tout le contexte qu'il y a autour. Ce que je fais par exemple pour l'émission qu'on fait en Afrique. Mais pareil pour le Mas d'Azil dans la thèse de Céline, où elle a travaillé sur tout le contexte, mais parfois à 100 km autour de la grotte, quoi. Parce que c'est une approche naturaliste. D'accord. Et des questions ? Est-ce que par exemple les grandes crues qu'il y a eu récemment, est-ce qu'elles parasitent un peu vos travaux, ou est-ce qu'elles modifient vos résultats, ou... Non, parce que elles ont Alors, est-ce que les grandes crues, les dernières grandes crues qu'il y a eu, parasitent nos travaux, nos résultats? Alors, un tout petit peu d'un point de vue pratique, parce qu'elles ont emporté le sentier d'accès à la rive gauche du Mas d'Azil, qu'il faudra qu'on refasse. Mais en dehors de ça, non. Parce que l'évolution de la vallée actuelle fait que... après la surrection des montagnes, après la formation des montagnes, on a ce qu'on appelle le réseau hydrographique qui s'est mis en place, c'est-à-dire les rivières qui ont commencé à creuser leurs vallées petit à petit, en partie parce que les montagnes montent et en partie parce que l'eau cherche à rejoindre le niveau, ce qu'on appelle le niveau de base, le niveau de la mer, on va dire pour simplifier. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le régime de ces rivières, même si globalement il incise, de temps en temps, il y a des périodes où il est remonté. Pourquoi il est remonté? Parce que c'est en période glaciaire, la végétation sur les versants disparaît.
Et du coup, il y a énormément de matériaux, de roches qui sont soumises à l'érosion, et ces roches sont emportées par l'eau, et là, les rivières n'ont plus la compétence suffisante, elles ne peuvent plus emporter tous ces matériaux. Et là, elles commencent à les accumuler. Et donc, du coup, ça laisse des traces dans le paysage, ça, ces accumulations de galets. Et dans la grotte aussi. On s'est aperçu qu'entre l'occupation de l'Aurignacien et l'occupation du Magdalénien, eh ben, la rivière était entrée dans la grotte, avait obstrué le porche à Val, donc au nord du Mas d'Asile. Je pense que vous êtes d'ici, vous connaissez. Et elle a créé un grand lac en amont. Donc pendant cette période-là, entre l'Aurignacien et le Magdalénien, les humains n'ont pas pu pénétrer dans la grotte. Et ça, ça se lie du coup dans la cavité. Et ensuite, quand la végétation revient, quand il y a un réchauffement climatique, que la végétation revient sur les versants, qu'elle stabilise ces versants, du coup il y a moins d'érosion, là l'eau, les rivières ont moins de sédiments à emporter, et du coup elles sont en capacité d'éroder à nouveau ce qu'elles ont déposé et de recreuser leur lit. Et là, les grandes crues qu'il y a actuellement, elles creusent, donc du coup elles ne touchent pas les enregistrements qu'on a qui sont beaucoup plus hauts en altitude. Voilà. Oui, mais voilà. Alors, les crues d'aujourd'hui n'impactent pas, mais en fait, toi, dans le travail que tu as fait, tu montres comment les crues qu'il y a eu justement à l'époque de la préhistoire ont été à l'origine de la localisation des gisements dans le Mas d'Asile, avec la rive gauche justement, qui est dans les parties un peu à hauteur où l'eau n'est pas venue déjà détruire les sédiments, mais aussi les emprisonnés, quand ils s'installent, ils vont s'installer aux endroits où. Où c'est pas atteint par l'eau ou des choses comme ça. Donc, donc les crues actuelles, ça perturbe pas, mais en fait, tout ton travail et travail des géologues et des géomorphologues, ça a été justement de pouvoir reconstituer un peu comment évoluait la rive gauche et la rive droite du Mas d'Asile. On a la lecture des crues anciennes, par contre. Voilà. Ah oui. Est-ce que nous avons d'autres questions? Vous n'en avez pas sur Internet? Non? Les personnes n'interviennent. Alors, moi, j'avais pensé, qui sont les premiers à étudier ces lieux chargés d'histoire? Parce que, ça y est, j'ai perdu le prénom. Emmanuel. Aide-moi. Emmanuel. Emmanuel. Oui. Emmanuel parlait de la vie. Emmanuel parlait de la vie. Et finalement, il y a toute une histoire qui se construit à partir de ce que vous trouvez dans les grottes et de toutes les parce que je suppose que vous ne faites pas que regarder à un moment. Il faut bien aller chercher ceux qui vont étudier la vie, qu'elle soit animale ou humaine. Et à ce moment-là, il y a la transition avec Emmanuel pour faire ces livres, ces livres. Et, ah oui. Oui, oui, tout à fait. Non, ben, moi, je prends mes sources documentaires un peu, enfin, justement, chez tous les scientifiques qui vont étudier, effectivement, alors la géomorphologie, effectivement, parce que je ne vais pas étudier en profondeur personnellement, hein, encore que des fois, j'ai besoin quand même de savoir à quoi ressemble la roche, et c'est pas pareil si c'est du granit ou du schiste et tout ça. Mais ensuite, j'ai besoin pour mes récits de savoir exactement que c'était quoi la faune, la flore, effectivement, où étaient les rivières, et puis voilà, où étaient implantés les humains. Donc tout ça, on va piocher un peu à droite à gauche, parfois dans des endroits un peu inattendus, hein. Il y a des ouvrages, il y a pas mal d'informations qui sont difficiles à avoir dans certains livres et qu'on trouve de manière complètement fortuite dans un échange sur Internet ou en discutant de manière informelle avec quelqu'un. Il faut faire une sorte de veille un peu précise. Et c'est vrai qu'on a besoin de savoir c'était quoi la faune, par exemple. Alors moi, je fais des récits qui se passent pendant la préhistoire relativement récente, mais du coup, c'est vrai que c'est pas la même faune qu'aujourd'hui, et c'est pas du tout, comme tu l'as dit, c'est pas du tout la même flore, puisqu'on est en pleine ère glaciaire, plus ou moins dure. Il y a 40 000 ans, qui est le moment où, si tu mets histoire, c'est pas le moment le plus froid. On est quand même sur on est sur de l'ère glaciaire, donc c'est pas du tout le même aspect. Et on se rend très vite compte, quand on raconte des histoires,
qu'il manque toujours quelque chose, il manque toujours une info. Alors on doit creuser, on doit aller chercher toutes les infos dont on a besoin dans les ouvrages les plus pointus possibles, et puis des fois extrapoler. Et, ce qui est amusant, c'est le moment justement où on va commencer à se dire, mais de toute façon, on a aucune réponse, donc que faire? Là, par exemple, tu parlais du Mas d'Asile, moi j'ai raconté donc du coup une histoire dans un scénario pour le jeu de rôle Vurm, donc qui est un jeu de rôle qui se passe pendant la préhistoire. Et l'histoire commence dans le Mas d'Asile. Et donc on est à l'Aurignacien, donc on sait que ça a été utilisé à l'Aurignacien, le Mas d'Asile. Voilà, donc tout le réseau n'était pas exploité, mais du coup il était utilisé. Mais alors, donc qui sont les gens qui vivent là? Et alors, par exemple, j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'ils vont appeler cette grotte? Et comment est-ce qu'ils vont appeler la rivière? Et du coup, parce que voilà, il faut donner un nom. On va pas l'appeler la Rise, par exemple. Donc, du coup, je dois me renseigner qu'est-ce qu'elle a comme spécificité, cette rivière? Est-ce qu'elle est tumultueuse? Est-ce qu'elle est plutôt paisible? Est-ce qu'elle gonfle? Alors moi, je l'ai appelée la dormante, parce que du coup, on sait qu'elle a eu des crues comme ça un peu impressionnantes, mais là, elle est calme. Voilà, donc j'étais un nom comme ça, mais pour ça, il a fallu à un moment donné que puis il y a une autre rivière, par exemple, dans un autre coin des Pyrénées que j'ai utilisé, qui est plus vers les Pyrénées basques, où j'ai situé pas mal de récits, où là, voilà, tout à coup, il faut trouver aussi des noms de rivières, des noms de sites, en imaginant la manière dont ils pouvaient être perçus à la préhistoire. Alors ça veut dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme faune qui vivait là, qu'est-ce qu'il y avait comme légende qui pouvait s'inventer autour de ces sites-là. Par exemple, une chose importante, c'est évident, ça paraît une évidence absolue, mais à l'ère glaciaire, le glacier il descend beaucoup, beaucoup plus bas que maintenant. Donc quels sont les sites que je peux rendre accessibles? Et quels sont ceux qui ne peuvent pas être accessibles, à moins de moyens magiques pour arriver? Par exemple, il y avait un récit que j'avais besoin de situer dans un univers complètement fou qui est la salle Laverna, vers le Pays Basque, ce qui est, je ne sais pas si tout le monde connaît, j'imagine, mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande grotte visitable au monde, en fait. Hein. C'est une espèce d'énorme, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une espèce de bulle de... Enfin, on peut faire rentrer plusieurs fois de la cathédrale de je ne sais pas quoi dedans. C'est immense. Mais c'est dans un endroit qui est complètement dans le glacier à l'époque, qui n'est pas du tout accessible. Donc comment le rendre accessible? Alors il faut tricher, il faut trouver des idées. Et tout ça, on va là encore, je vais me renseigner, je vais visiter. J'ai eu la chance d'aller visiter pas mal de sites, y compris des sites parfois fermés au public, mais on arrive à faire ces visites parce qu'on a besoin... on a besoin de raconter des histoires qui se passent dans des endroits précis. Voilà. Donc c'est par rapport à la question que tu posais, c'est-à-dire par quoi on commence, j'ai du mal à dire en fait, parce que des fois je commence par la base, c'est-à-dire que de quoi j'ai besoin dans mon histoire, de qu'est-ce que j'ai besoin de présenter, et parfois en fait c'est que ça commence par un détail. C'est-à-dire tout à coup, il y a un détail d'une grotte, mais qui peut être une peinture, hein, ou qui peut être juste le fait qu'elle soit située à tel endroit, qui va m'interpeller et qui va faire que je m'y intéresse. Alors donc, la porte d'entrée peut être diverse. Voilà. Quand tu écris une histoire, ouais. Du coup, tu as un genre de scénario en tête par rapport à la vie d'un personnage préhistorique, d'abord que après tu resitues dans un environnement, où ça peut être l'environnement qui te donne, l'idée de ouais, la ça, vie du personnage. C'est souvent dans ce sens-là, en fait, bizarrement. Ouais. Oui. Parfois, ça dépend de l'approche. Des fois, on a envie de raconter une histoire humaine, vraiment. Et l'idée, c'est de situer, enfin, trouver l'endroit qui va le mieux servir l'histoire qu'on va raconter en parlant de ces humains. Et des fois, c'est l'inverse. Là, par exemple, actuellement, je suis en train de travailler sur une bande dessinée. Alors, ça ne se passe pas dans la montagne pyrénéenne. Ça se passe sur un site de la côte normande qui s'appelle le Rosel. Et je fais une bande dessinée qui raconte la vie des gens dans ce site qui était occupé par des humains il y a 80 000 ans. Et alors là, par exemple, je pars complètement du site. Donc, j'ai été prendre toutes les infos que je pouvais sur l'aspect du site à l'époque, sur les gens qui y habitaient, la faune, la flore, et vraiment. Et tout ça. Et ça induit
une histoire. C'est-à-dire que quand on regarde le détail de ce qui s'est passé, c'est parcellaire, hein, mais voilà, par exemple, tout à coup, on a des gens qui vivent à côté, à quelques kilomètres de la mer. Maintenant, la mer est beaucoup plus proche, mais à l'époque, elle était plus loin, et qui ne mangent rien qui vient de la mer. Sauf un morse. Ils ont tué un morse. Voilà. Déjà, ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'on se dit, mec, il y a des trucs à raconter avec ça. Ça donne. Alors voilà. Et donc, pareil pour certaines grottes, ou enfin, pour certains sites pyrénéens, qui vont avoir des spécificités vraiment nettes, quoi. Et sur lesquels on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut extrapoler à partir de ça, y compris par rapport à la faune. Donc des fois, et puis des fois, on a besoin de raconter une histoire humaine avant tout, avec des rapports. C'est pas pareil, par exemple, d'être dans une grotte comme le Mas d'Asile, qui est immense, qui est une espèce de, enfin, où il y a des grottes comme ça qui appellent, on imagine facilement des agrégats de plusieurs clans qui viennent s'y retrouver. Ça peut être le cas par exemple à Isturitz aussi, qui est une grotte là aussi Pays Basque, mais qui est une grotte qui fait carrefour. Et puis des petites grottes un peu plus, un petit peu plus, comment dire, je ne sais pas comment dire, mais intimes. Ou même l'entrée, par exemple, comme la grotte de Gargas, qui est très grande, hein, mais qui, je sais pas, qui fait, quand on rentre dedans, ça fait intime. Alors, du coup, ça induit d'autres récits, d'autres types de récits. Ouais. Voilà. Alors, je peux rebondir dessus. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, quand on parle de l'homme préhistorique, on voit que c'est l'un qui est très curieux, qui est adapté à son milieu, hein, c'est que l'un qui est très trapu, très costaud, et qui va explorer vraiment tout son environnement, jusqu'à aller au fond des grottes, dans les petites chatières. Et justement, tu parlais du paysage du Mas d'Asile, mais en fait, quand on voit le porche énorme, on sait que, enfin, on doit deviner que, pour les hommes préhistoriques qui ont des cultures orales ou des choses comme ça, c'est des endroits clés. Quand on voit dans le paysage des choses aussi grandes, aux Aizy, on a le Gorge d'Enfer, comme ça, qui est fantastique, c'est des endroits où, évidemment, les gens vont se réunir. Ils arrivent dans les environnements, bon, sur les époques, si c'est glacé ou pas, mais... tout en haut du relief, il y a un gros trou noir et c'est des appels pour ces gens-là qui vont explorer partout, qui vont retrouver leur empreinte dans le fond des grottes à plusieurs centaines de mètres, alors qu'il faut s'éclairer, qu'il y a toute cette difficulté-là. Et donc du coup, c'est le côté curieux, le côté... donc la première question, c'était quelles étaient les premières personnes qui vont exploiter ces environnements-là. Donc c'est... Déjà, voilà, c'est la curiosité de l'homme, et puis le fait d'avoir dans le paysage des endroits comme ça très atypiques qui attirent justement la présence humaine depuis longtemps. Quoi. Toujours pas de questions ? Juste savoir, vous adressez à des scientifiques ou pas ? Ou c'est que des sources papier ? Non, je travaille avec des scientifiques. Ben, en fait, là par exemple... Sur les Pyrénées, j'ai été visiter des grottes, alors j'avais discuté avec des gens qui connaissaient bien les sites, quoi, y compris des conservateurs de sites parfois. Et puis là, par exemple, pour la BD sur le Rosel, je travaille avec l'archéologue qui gère les fouilles, qui c'est Dominique Piquet, qui est celui qui supervise les fouilles. Donc du coup, et on discute beaucoup parce qu'il y a. Il y a plein d'infos là qui sont accessibles nulle part en fait, enfin, où ce serait compliqué d'aller les trouver. Oui, enfin. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, en fait, la petite info qu'il faut, elle est vraiment cachée profondément dans un livre. Et c'est plus facile des fois de poser la question à quelqu'un qui est vraiment spécialiste. Et j'ai travaillé souvent avec des archéologues, y compris. On a fait un ouvrage, par exemple, j'ai fait des BD sur Néandertal. Et, Vous pouvez les regarder, il y en a les trois qui sont là. Et dans la foulée, j'ai fait un ouvrage sur l'homme de Néandertal, un ouvrage de vulgarisation scientifique, avec Antoine Balzo, qui est un spécialiste du sujet. Donc c'est précieux, ouais, ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Mais j'ai envie de dire quand même, quand j'agis, non pas en tant qu'illustrateur scientifique, mais en tant qu'auteur, je reste... décisionnaire de ce que je vais utiliser ou pas, de ce que je vais franchir comme pas dans la transgression en fait de l'info archéologique par exemple. Parce que je ne peux pas travailler de manière servile en disant voilà, je vais avant tout me calquer sur la rigueur. Même si c'est ce que je fais par exemple là, sur la BD sur le Rosel, puisque vraiment il s'agit de mettre en avant le site.
Mais quand je raconte une histoire sur une, enfin, quand c'est une aventure où finalement j'ai envie de raconter des humains de l'époque, si tout à coup il y a une petite transgression à faire, je me l'autorise. Parce que ce qui compte, c'est parce que souvent en plus une BD c'est court. On a besoin de condenser un peu des histoires et il faut faire certains raccourcis parfois. Et en plus on est dans des domaines, donc pour le domaine scientifique, mais en fait où il y a toujours des révolutions. En géologie, il y a des révolutions. En carstologie, donc dans la façon dont on va creuser les grottes et tout ça, il y a aussi des choses des nouvelles connaissances qui viennent bouleverser ce qu'on pensait avant. Par exemple, la découverte de Chauvet avec ce qu'on pensait avant sur l'art pariétal et tout ça. Donc voilà, il faut se dire que c'est que la science bouge. Et donc évidemment, tous les gens qui travaillent là-dessus, donc dans votre travail d'illustrateur ou tout ça, on peut faire des erreurs, ce qui n'est pas grave. Et il faut pouvoir justement voilà, se dire qu'il faut laisser... Alors, en tant qu'illustrateur, vous avez le droit de faire fonctionner votre imagination et puis d'imager certaines choses. Après, quand c'est des scientifiques qui se mettent à faire ces erreurs-là, et pour la préhistoire, c'est souvent ça, parce que une culture sur laquelle on a plus de vestiges, on a carrément rien. Et donc il faut faire attention à ça, quoi. Et c'est souvent le problème qu'on a, nous, en tant que géologue ou que géoarchéologue, à travailler avec des scientifiques dans les grottes, c'est que il faut rester scientifique, quoi. Et donc nous, on a une façon de voir la préhistoire avec notre culture à nous qui est complètement différente de ce qui existait, quoi. Donc, voilà. Mais en tant qu'illustrateur, vous avez le droit, évidemment. Après, c'est quand les scientifiques se mettent à faire ça. Et ils sont très vite balayés par les nouvelles découvertes. Ils sont très scientifiques, voilà, quand ils se mettent à faire ça. C'est difficile de pas... Parce qu'on a forcément des partis pris, il y a forcément... Et même un scientifique, quand tu penses par exemple... Enfin, là, moi, j'ai la plupart des étudiants en préhistoire que je vois, ils jurent encore par le travail de Leroy Gourhan, tu vois. Et qui est complètement... qui est dépassé, puis surtout qui est hyper... Enfin, il y a un parti pris, tu vois, l'interprétation masculin-féminin. Bah, on voit que c'était un passionné de la Chine, donc il nous a fait une espèce de yin-yang préhistorique. Voilà, mais n'empêche que ça a encore, de la manière qu'après, ça a été beaucoup décrié, mais le travail de Jean-Claude, qui est deux fois d'ailleurs, sur le chamanisme, qui était passionnant, mais qui est quelque chose de... Alors, il a pris toutes les pincettes qu'il pouvait, mais n'empêche qu'il était quand même dans une projection qui était un peu fantasmatique quand même si, bon, il servait du matériel qu'il avait, hein. Donc c'est difficile de faire un truc très très neutre et très distancié. D'autant qu'on a envie, enfin, alors peut-être encore plus avec des disciplines comme la préhistoire, parce que autant voilà, la paléanthropologie, où on est vraiment sur des choses, ou la géologie. Il y a peut-être moins d'incertitudes ou de choses. Si, il y en a aussi. Il y a toujours des incertitudes. Ce qu'il faut être bien conscient, surtout actuellement, c'est qu'en fait, on n'est pas scientifique. On a une démarche scientifique. Et il faut appliquer une démarche scientifique dans les recherches. Et c'est pour ça que moi, en tout cas personnellement, nombre de mes collègues le font, quand on construit un rapport de fouille, quand on rend compte de nos observations, on le fait dans cet ordre d'ailleurs. On va sur le terrain, on nettoie, on observe, on décrit, et ensuite on interprète. Et là, l'interprétation, elle découle de nos observations, de nos connaissances, des fois effectivement de notre sensibilité, selon le sujet. Et cette interprétation, elle est sujette à être remise en question à tout moment. Les observations, elles, c'est bon, elles ont été observées, voilà, il suffit de dire comment on l'a fait, quelle méthode on a appliquée, etc. Parce que là aussi, c'est important d'expliquer la méthode qu'on a utilisée pour ça. Parce que des fois, il y a des biais méthodologiques qui font qu'il y a des biais dans les observations. Mais du moment que c'est conscient, que c'est expliqué, c'est clair, ça, c'est bon. Et après, l'interprétation, il faut accepter qu'elle soit remise en question après, avec des nouvelles découvertes, avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui observent autre chose. C'est constant. Et c'est ça, la démarche scientifique. Il n'y a pas une vérité. Il y a une recherche, voilà. C'est ça. Alors, par exemple, ce que on parlait des concepts qui changent et tout ça. Par exemple, en carstologie, on a une nouvelle théorie qui s'appelle la biocorrosion, et c'est en
pour expliquer le creusement des grottes. Et par exemple, on voit ça dans Gargasse, tu parlais de Gargasse, c'est en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, donc c'est surtout Laurent Bruxelles qui travaille là-dessus en ce moment, et c'est un concept qui va révolutionner un peu l'art pariétal, parce qu'en fait, on se rend compte, comme dans Gargasse, que les peintures, les représentations, on les trouve souvent cachées au fond des salles ou dans des petits secteurs, et dans des secteurs un peu cachés. Donc on avait l'idée de dire que c'était un art mystique, chamanique, tout ça. Et en fait, on se rend compte que la biocorrosion, c'est l'impact des milliers de chauves-souris qui vont vivre dans les grottes, les colonies de chauves-souris, pendant des millions d'années, qui vont avoir un impact en fait sur le creusement des grottes. Des centaines, ça suffit. Enfin, ou des centaines. Et parfois des milliers, des chauves-souris. Oui, t'as dit des millions, c'est bon ça. Ah, alors, des milliers de chauves-souris pendant des millions d'années. Et on se rend compte, en fait, qu'à côté des endroits où elles nichent, on va avoir des déjections, des urines et des guano qui vont fermenter. On est dans des endroits très fermés qui sont les grottes. Hein. Et donc, toute cette acidité va créer des courants d'air qui vont venir éroder les parois et justement créer un support. Où ça va être des parois très blanches et tout ça, où l'homme préhistorique va juste venir faire quelques tracés digitaux, ou venir faire des mains, ou rajouter des peintures. Et donc on se rend compte que ce qu'on pensait avant être un art mystique, caché et tout, en fait on se rend compte que non, c'est un art résiduel qui a en fait disparu et qui est conservé de l'érosion ou de la biocorrosion que dans des secteurs où il n'y a pas de circulation d'air et ce genre de choses. Donc en fait, c'est des révolutions où il n'y a pas de chauves-souris. Ouais. En fait, on s'en aperçoit parce que dans ces endroits-là, soit il y a eu des chauves-souris avant et ça a sculpté les parois, donc du coup, ça a donné des grandes parois lisses sur lesquelles les artistes ont pu s'exprimer, comme à Chauvet. Et pourquoi il y a de l'art partout dans Chauvet ? C'est parce que le porche s'est effondré et que à partir de là, il n'y a plus de contact avec l'extérieur. De contact avec l'extérieur. Et notamment, les chauves-souris, elles viennent dans les périodes tempérées. Il n'y en a pas ou extrêmement peu en milieu glaciaire, en contexte glaciaire. Du coup, si la grotte est fermée avant le réchauffement climatique, ben, les chauves-souris ne pénètrent pas, la grotte est préservée. Ça a été le cas à Lascaux également. Toutes les grottes qui ont des porches qui ont été fermées avant le réchauffement, et donc qui n'ont pas permis la pénétration des chauves-souris dans la grotte, les peintures sont préservées. Alors que dans les cavités, comme disait Bastien, où elles ont eu accès, elles sont pas partout dans la grotte, et l'aérologie de la grotte fait qu'elles atteignent les salles où elles s'installent, mais pas forcément les petits conduits. Et effectivement, c'est dans ces petits conduits qu'on a à la fois les formes de creusement de la grotte d'origine, c'est-à-dire les formes laissées par l'eau, et dessus les peintures ou les gravures. Et ailleurs, quand au début du réchauffement holocène, on dit le dernier réchauffement il y a 12 000 ans à peu près, quand il y a d'énormes populations de chauves-souris, des colonies qui sont venues s'installer, et là ça a érodé les parois. Ça a aussi un impact extrêmement fort sur, on parlait des changements d'interprétation, sur le creusement des cavités. Où ces formes-là, auparavant, elles étaient interprétées comme un réennoiement de la cavité, avec de l'eau qui revenait et qui circulait, même si c'était un peu bizarre, ça ne collait pas trop avec le contexte. Et maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. L'eau n'est jamais revenue, c'est juste les chauves-souris qui ont sculpté ces formes de parois. Et ça remet en question, du coup, tout un tas d'interprétations, de creusements ou d'évolutions des cavités qui ont été faites il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Donc c'est, comme on dit, c'est en perpétuelle évolution et ça va rapidement. C'est le piège, souvent, quand on doit dessiner une grotte à la préhistoire, c'est l'aspect qu'elle avait à l'époque, parce qu'effectivement, souvent, les entrées ne sont plus les mêmes. Mmh. Oui. Et puis souvent, même le sol. Après, il y a des endroits, parce qu'effectivement, les chauves-souris ont eu un impact sur les parois. Mais les humains, bien sûr, aussi. Et par exemple, j'ai dû dessiner, alors c'est pas dans les Pyrénées, mais c'est près de chez moi, donc dans le Minervois, il y a une grotte qui s'appelle Alden, qui est une grotte qui est ornée, pas une grotte très connue, hein, mais elle est elle est intéressante parce que c'était une magnifique grotte, il y a des empreintes de pas encore qui restent, qui sont importantes, et elle a été exploitée pour le phosphate.
au 19e siècle. Et en fait, elle a été décaissée de, je sais pas, c'est 4, 3, 4 mètres. Le sol, il n'existe plus. Et bien sûr, il y avait plein d'os et tout ça. Donc, ça, c'est. Alors, quand on doit dessiner l'intérieur de cette grotte à la préhistoire, à l'époque où elles ont été ornées, on n'a plus du tout l'aspect qu'elles avaient. Alors, du coup, il faut, faut imaginer. Alors, j'ai appris qu'il y avait un endroit, il y avait un petit lac et tout ça. Donc, on extrapole, quoi. Mais là, c'est pareil, ça a été exploité. Je pense que le phosphate, ça a été. Il y a plein de grottes qui ont été. Au Mas d'Azil, on a, justement, je parlais des occupations récentes. Alors, il y a eu un grand bouleversement dans le paysage du Mas d'Azil. Déjà, ça a été la construction de la route, où ils ont. Oui. À l'explosif, ils ont fait péter des parois, des morceaux de parois, et ils ont remblayé énormément des zones. Et tout l'endroit où il y a l'espace muséographique actuellement, ce qui était appelé à la fin du 19e siècle par le premier scientifique qui est intervenu dans la grotte, l'abbé Pouech, le grand emprunt, parce qu'ils ont emprunté tous ces sédiments pour servir de soubassement à la route. Et ça a modifié totalement l'aspect de la grotte. Et avant ça, il témoignait aussi des exploitations de salpêtre, pour le coup. Et là, dernièrement, on a identifié des résidus de cette exploitation avec des tas de terre qu'on pensait attribuer à l'archéologue qui s'appelle Joseph Mandement et qui a creusé dans la grotte, qui est intervenu pour notamment la rendre accessible aux touristes dans les années 40-50, et qui a construit beaucoup de murs, qui a creusé des galeries, qui a ouvert la galerie des ours, les galeries du fond, la galerie Breuil, c'est lui également qui l'a découverte, la galerie qui est ornée. Et on pensait que c'était lui. En fait, il y a une partie, donc les murs, tout ça, les déblaisés, lui, mais il y a une autre partie où c'est des résidus d'exploitation des salpêtriers, donc qui ont aussi gratté les parois pour récupérer le salpêtre, qui ont remué les terres, les sédiments pour les faire chauffer, parce qu'il y a tout un protocole où il faut faire chauffer ces terres-là, et qui ont laissé les résidus sur les bords. Et maintenant, on commence à s'intéresser à ces traces aussi qui ont bouleversé notamment les niveaux archéologiques superficiels déjà et la physionomie de la grotte. Et c'est en remontant le fil qu'on arrive au fur et à mesure à imaginer effectivement comment était le paysage de la grotte à la préhistoire. Quand, soit ce qui a été rempli par les concrétions, soit ce qui a été enlevé par les archéologues, les salpêtriers, ou même rempli d'ailleurs, parce qu'au Mas d'Azil, pareil, on a des tas de déblais d'archéologues immenses. Enfin, voilà, donc il faut arriver à détricoter ce qui a été fait pendant les derniers siècles pour arriver à la période qui nous intéresse. C'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes obligé de déblayer ce que les autres ont remblayé, quoi. Enfin, Oui. soit virtuellement, en sachant qu'ils sont là et en identifiant ces dépôts comme des dépôts récents et pourquoi ils sont là, qui les a mis là. Soit en déblayant vraiment, parce que par petite fenêtre, on enlève ce qui a été remis dessus pour observer la couche qui nous intéresse. Voilà. D'accord. Il n'y a toujours pas de questions. Les phosphates, au sujet des phosphates, les mines de phosphates, d'abord, c'est une formation géologique ancienne, les phosphates, c'est des dépôts de... C'est une bonne question. Il y a les phosphatières du Lot, par exemple. Non, je ne sais pas, le monsieur parlait dans l'Aude, donc n'importe quoi. Oui, non, mais les phosphates, ça va être des dépôts qui sont continentaux et qui vont être liés aux animaux. Que ça soit la matière organique, les oiseaux, que ça soit les chauves-souris ou ce genre de choses. Et on trouve dans les phosphates, ils sont pigés dans les karsts, dans les grottes, et on va trouver beaucoup d'animaux à l'intérieur de fossiles. Dans le Lot, ils ont trouvé, par exemple, des tortues, qui ont plusieurs milliers d'années, ou millions d'années. Et on va en trouver dans les grottes, par exemple, au niveau de la vallée du Rhône, à l'époque où le rivage
été près des reliefs où il y a les grottes, et donc c'est les, ça va être les fjords des oiseaux qui vont habiter près des rivages. Au Maroc, il y a des grands dépôts de fossiles. Oui, alors... J'ai pas entendu le mot. Au Maroc, il y a des grands dépôts de fossiles. Des grands dépôts de... Non, c'est parce que... Il y a des grands gisements qui sont plus liés, en fait, à la collision des montagnes, à des effets d'altération, de... qui sont plus des phosphates géologiques. Voilà. Oui, oui, oui. OK. Il y a peut-être deux types de qui permet deux types de formations beaucoup plus énormes que les... Voilà, oui, oui. D'accord. Parce qu'effectivement, dans les cavités, c'est souvent lié à la présence de matière organique, donc des colonies, soit d'oiseaux, soit d'animaux, qui ont... alors, le détail de la réaction chimique, je ne saurais pas vous le dire, mais... c'est beaucoup plus localisé. Voilà, enfin, c'est... sont des petits... Enfin, ça peut être des gros gisements, mais effectivement, c'est local, c'est sur une cavité... Et c'est comme le salpêtre, il y a des réactions qui font qu'avec la dégradation des guanos, quels qu'ils soient, il y a des productions de phosphore et de nitrate, donc qui avec l'humidité remontent dans les parois poreuses, et quand ça, avec les courants, en période humide, ça s'infiltre dans les parois, et en période sèche, ça se cristallise. Et du coup, ça dégorge. Voilà. Ça cristallise et ça peut même faire éclater les parois. C'est aussi une forme d'érosion des parois, d'altération des parois qu'on prend en compte maintenant aussi. Et c'est exploité pour l'amendement des champs, au 18e par exemple, pour les engrais, hein, et c'est exploité aussi pour faire la poudre noire, pour à la Révolution par exemple. Le nitrate, le salpêtre. Le salpêtre, voilà. Les grottes étaient aussi visitées à cette époque-là, par exemple préhistorique, mais aussi par des endroits. Et quand on va justement dans cette grotte de l'Aude, enfin, je crois que c'est dans l'Hérault à cet endroit-là, mais on marche sur un tapis de guano assez épais. D'ailleurs, la grotte est fermée au public et avant tout pour protéger les chauves-souris. Il y a aussi des grottes, enfin, il y a une petite galerie ornée, mais qui est vraiment dans un coin, dans un recoin, et puis qui est là pour le coup, qui est impossible d'accès, puisqu'il y a une porte qui la préserve, une porte métallique, tout ça, mais en plus de ça, la grotte est fermée pour protéger la population de chauves-souris. Et c'est la grotte à Alden, qui est une grotte dans les roues. Mais c'est amusant, parce que justement, quand on imagine cette occupation un peu invisible... Moi, c'est ce qui m'avait touché quand j'avais vu justement les dessins dans cette grotte-là. Alors, c'est des dessins qu'on ne savait pas dater avant de découvrir Chauvet, parce que effectivement, il n'y a pas de carbone, c'est juste des tracés, donc on ne peut pas dater. Mais le bestiaire qu'on a identifié, c'est un bestiaire qui est très très, enfin, identique à celui de Chauvet. Donc maintenant, elle est datée comme ornée à l'orignacien, comme Chauvet. Et alors il y a un petit mammouth, et c'est très émouvant, parce qu'en fait il est dessiné, en fait c'est les griffades d'ours. Les ours, quand ils hibernaient dans les cavernes, quand ils s'apprêtaient à sortir, ils se faisaient les griffes, j'imagine. Enfin, je suppose. Et en fait, ouais, ils s'étirent, c'est ça, et puis on voit, alors là c'était même pas très très haut, mais le sol était peut-être un peu plus bas. Mais donc il y a plusieurs griffades d'ours, et l'homme préhistorique ou la femme préhistorique qui a fait le dessin, juste rajouter quelques petits détails pour faire un mammouth. Mais en fait, le mammouth, il était dessiné par l'ours. C'est très amusant. Enfin, c'est assez émouvant, d'ailleurs, hein, de voir de lire tous ces allées et venues. Voilà, à Rouffignac aussi, on a des traces d'ours qui sont vraiment... C'est marrant, parce qu'on a les traces d'ours des cavernes, et puis après, au-dessus, on a les écrits des gens du XVIIIe siècle qui venaient mettre leur signature. C'est moins poétique, hein, bien sûr, que de dessiner le grand-père. Mais ouais, mais en même temps, ça raconte une histoire. Hein, c'est intéressant aussi. Ouais. Quelques révolutionnaires qui mettent des vers, des petits extraits de poésie. Et du coup, toute la faune... c'est pas évident, hein, de reconstituer la faune des montagnes dans lesquelles on est à l'époque, parce que tout simplement elle est vraiment différente. Donc on sait qu'on a des ours des cavernes par exemple à la préhistoire récente, mais on a aussi
des animaux plus inattendus. Et moi, je me suis posé des questions, par exemple, qui étaient des questions. À un moment donné, par exemple, vous connaissez, vous avez, j'imagine, été voir la grotte de Niaud. Ou alors, voilà. Donc, on a des bisons. On a beaucoup de bisons. Dans tout le salon noir, c'est des bisons. Est-ce qu'il y avait des bisons à cette hauteur-là, à cette époque-là, par exemple? Est-ce qu'on avait du rhinocéros laineux à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes? Parce qu'on sait que les hommes préhistoriques ont dessiné des mammouths à l'époque où il n'y avait quasiment plus de mammouths, en fait, dans le territoire. Donc, ils avaient le souvenir encore de ces animaux-là, même s'il n'y en avait plus. Et donc, pareil, alors, il y avait sans doute des bisons dans les plateaux, hein, j'imagine. Mais la question se pose, par exemple, quoi. Et ça, je ne sais pas si vous... Nous, la faune, elle est en partie restituée, connue, par le biais des études archéozoologiques. C'est-à-dire que dans les niveaux de fouilles, dans les avènes pièges, on retrouve des ossements d'animaux qui sont étudiés par des archéozoologues qui identifient les espèces, etc. Donc dans les avènes pièges, on a peut-être une représentation un peu plus complète, parce que dans les grottes occupées par les hommes, ce qu'on a, ce sont les poubelles de cuisine, les résidus de chasse. Donc les animaux qu'ils exploitaient juste, et ils ne les exploitaient pas tous. Donc on a, par exemple, encore une fois, au Mas d'Asile, mais ça se retrouve à la grotte de la Vache et dans une majorité des sites magdaléniens, je crois qu'il y a 90% de rennes. Il n'y avait pas 90% de rennes dans les montagnes. Mais voilà, c'est l'animal qu'ils exploitent de manière préférentielle. Et après, on a des indications avec la microfaune. Des fois, on retrouve des ossements, des tout petits fragments d'os. C'est pour ça qu'il faut tamiser les sédiments et tout récolter de petits rongeurs qui vivaient à l'époque et qui peuvent donner des indications sur le milieu également. Voilà, donc c'est en croisant toutes ces données, ce qu'on a dans les sites archéologiques, dans les avènes pièges, et en croisant les différents types de faune, qu'on arrive à avoir une image de l'environnement qu'il y avait à l'époque. Mais il y a toujours des biais, parce que, par exemple, les hommes préhistoriques vont représenter des animaux, mais il y a une sélection. Qu'est-ce qu'on va représenter ou pas? Sur les avènes pièges, ça va être les grottes qui sont en haut des plateaux calcaires, qui vont piéger en fait tous les... Alors soit des herbivores qui circulent sur le plateau qui tombent dans le trou, soit les carnivores qui viennent manger ces animaux qui tombent, enfin... Mais il y a toujours un biais, parce qu'en fait on ne sait pas qu'est-ce qui va circuler dans la vallée, mais l'avène piège, il va pouvoir dire qu'est-ce qui circule sur le plateau. Et ainsi de suite. Donc c'est sûr que reconstituer la faune par rapport à ça, c'est toujours compliqué. Le désert du Platé, c'est un karst qu'il y a du côté du Mont Blanc, et on est à 1300 mètres d'altitude, et dans une grotte, on a préservé des os de baleine, un squelette de baleine. Alors c'est... qu'est-ce que ça fait là? Ça, c'est la magie de la géologie, et puis de toutes ces choses-là. Un programme de recherche, parce qu'apparemment les os de baleine étaient exploités et circulaient effectivement, notamment au Magdalénien. Et il y a un programme de recherche sur ce sujet en ce moment, pour comprendre comment on a des os de baleine à 1300 mètres d'altitude. On a le squelette entier, quoi. C'est juste qu'il faut en parler de l'évolution des reliefs, l'évolution des paysages, et c'est justement le... Moi, dans le cadre de ma thèse que je fais sur l'Afrique, c'est exactement les questions qu'on se pose. Ça veut dire qu'on a donc des endroits en Afrique où on sait qu'il y a l'Australopithèque qui a circulé dans les vallées, Afrique du Sud, Kenya, Éthiopie. Et en fait, entre ces deux pays, on se dit, quels étaient les paysages il y a 3 ou 4 millions d'années par lesquels ces hommes ont pu circuler? Donc le but aurait été d'essayer de reconstituer les paysages à cette époque-là, essayer de recombler les vallées, essayer de comprendre comment les terres ont évolué, comment la mer a monté ou est descendue. Et on a des outils qui sont toutes les approches naturalistes du géologue et puis du sédimentologue. Et puis les outils nouveaux, par exemple, on a des analyses satellites qui permettent d'enregistrer la forme des reliefs, et après, avec des ordinateurs, on peut imager ces reliefs, essayer de
calculer à quelle altitude pouvait être le niveau des plaines avant que ça soit érodé. Et donc on a, moi, je travaille comme ça sur mon sujet de thèse, par exemple, pour reconstituer les paysages et essayer de se poser la question. Je travaille pas sur comment était je peux travailler aussi sur quelle était la faune dans le paysage, parce que c'est des choses qu'on peut dater, par exemple. Hein. Les os d'animaux, les dents, on a des méthodes de datation. Donc, quand on trouve, par exemple, des primates ou des choses comme ça dans les grottes, on peut essayer de savoir quelle époque c'est et se dire, tiens, ça se trouve, on peut trouver aussi de l'australopithèque ou des choses comme ça. D'accord. Alors, je crois que vous avez des images. Oui, il y avait une question. Vous avez une question, excusez-moi. Oui, alors bon, il y a les graines ou pollen. Ah oui, la question c'est... Des graines, ouais. Alors pour le paléolithique... Attends, je vais vous poser la question parce qu'ils ont pas de sens sur... Vos questions, c'était... À partir des restes de... Au niveau des guanos de chauve-souris, est-ce qu'on va pouvoir conserver des graines qu'elles mangeaient ou des choses comme ça? Alors, pour répondre à la période préhistorique, alors les chauves-souris qui font le plus grand impact sur les grottes, c'est celles qui mangent des fruits, qui sont foodivores. Alors au niveau des guanos, je ne sais pas si on va conserver ces informations-là. Par contre, on peut conserver l'ADN des chauves-souris, on peut conserver tout un tas de molécules qui nous permettent de... Comme on fait de la datation, par exemple, avec l'écocrétion ou la datation avec des sédiments dans les grottes, on peut faire de la datation sur des tas de guanos. Et donc ça permet de reconstituer comme ça, d'avoir une chronologie justement du type de végétation, sans vraiment connaître ce sujet très précis parce que c'est des spécialités. Mais du coup, le projet de Laurent Bruxelles qui travaille là-dessus, il travaille avec des gens spécialistes des pollens, des spécialistes de l'ADN. Par exemple, pour le Covid, hein, on sait que les chauves-souris transportent une douzaine de souches de Covid sans en être malades. Et du coup, on peut conserver dans les sédiments de guano des fragments de ces maladies-là, et peut-être que on peut s'en servir pour faire des datations, des choses comme ça. Quoi. Donc des graines, je ne crois pas qu'on puisse trouver des graines, en tout cas, qui sont encore fertiles, comme on peut avoir avec les oiseaux et tout ça. Mais pourquoi pas, ça. En tout cas, on a de l'ADN. Il y a les pollens parce que les pollens sont très bien conservés en milieu acide. Donc du coup, les graines, c'est moins. C'est moins facile à conserver. Je sais pas. Les graines, on en trouve, pas en préhistoire ancienne paléo, il y en a à partir du néolithique quand elles sont carbonisées, en fait. Dans les chauves-souris, non. Oui, mais peut-être, parce que y a beaucoup de graines qui circulent comme ça, avec les oiseaux et tout ça. Il n'y a pas de graines conservées. Pour les chauves-souris, je ne sais pas. Et pas aussi vieux. À l'intérieur des pollens, effectivement, c'est... Les pollens sont très résistants, se conservent mieux en milieu acide. Donc effectivement, il y a des études sur la végétation ancienne à travers les pollens piégés, que ce soit dans les sédiments ou que ce soit les tourbières, c'est un excellent lieu de conservateur et d'enregistrement des pollens. Mais après, toujours pareil, il y a des pollens qui sont emmenés très loin, des pollens qui tombent juste à côté de la plante. Donc il faut bien voir, on a ce qu'on appelle un spectre pollinique quand on observe un échantillon. Et à travers ce spectre, il y a des biais par rapport à ce qu'on observe. Et donc il faut bien tenir compte de quelle espèce on a. Si on a énormément de résineux, ça ne veut pas dire qu'il y en avait immédiatement autour, parce que c'est des pollens qui vont très loin. Si y a des plantes dont je ne connais pas le nom, mais qui sont dont le pollen tombe juste à côté de la plante et qui se reproduisent de manière très locale, là, si on a ce type de pollen, c'est vraiment que la plante était ici, là, à cet endroit, mais peut-être pas quelques centaines de mètres plus loin. Donc voilà, on a en fait
l'idée pour l'environnement, typiquement, c'est vraiment de croiser les données. Donc avec la palynologie, les graines pour les périodes anciennes, on n'en a pas, sauf effectivement, à ma connaissance, dans les plutôt à partir du moment où il y a l'agriculture, dans des silos ou dans des cas exceptionnels, dans des puits, on a retrouvé des pépins de raisin. Si, des pépins de raisin. Très ancien sur des graines en territoire, il faut sortir de l'Europe. Oui, sec. Oui, voilà. Tel que nous, on n'a pas en Europe. Sec ou humide, on n'a pas trop d'infos. Voilà. Non. Les fruits et les légumes, non. À partir du néolithique, mais pas avant, effectivement. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, croiser les données. Donc, du coup, entre les pollens, éventuellement les graines pour les périodes plus récentes, et la malacologie aussi, les espèces d'escargots. Alors là, plus en milieu calcaire, parce qu'au milieu acide, elles disparaissent. Mais en milieu calcaire, on a, pareil, des spectres d'espèces d'escargots qui donnent un environnement, un climat, un type de végétation. On ne pourra pas dire exactement quel arbre il y avait, mais on pourra dire si c'était un milieu plutôt forestier fermé, ou un milieu très ouvert de steppe, ou un milieu de prairies humides, etc. etc. Et dans les... Je connais moins bien les mangroves, parce que du coup, c'est pas un milieu sur lequel je travaille, j'avoue. Alors là, je rappelle la question, c'était sur les faugères, les fougères, et sur le fait que ce soit des formes primitives de la végétation qui est encore vivante aujourd'hui. Donc votre question, c'était sur est-ce qu'on en trouve aujourd'hui ou est-ce que c'est l'espèce qui était au début Est-ce qu'il y a eu une évolution de la fougère? Ouais, je ne sais pas répondre. On sort de notre domaine de compétence là pour le coup. Surtout que c'est des espèces, effectivement, les fougères anciennes, les dinosaures. Donc, c'est des formes actuelles qu'on trouve sous forme fossile et qui n'ont pratiquement pas évolué, comme certains poissons à plaque osseuse ou des choses comme ça. Mais il en existe qui ont très peu évolué, mais il y en a peut-être d'autres qui ont évolué. Ça, c'est la magie de l'évolution et puis la sélection des espèces. Hein, mais... Pour les fougères. En tout cas, dans la région où nous sommes, à l'époque glaciaire, on n'a pas beaucoup de fougères, mais on a plein de... Enfin, la flore, elle n'est pas très très différente de celle qu'on a maintenant, c'est juste beaucoup moins forestier. Et pour le coup, s'il y a des forêts, c'est plus du type taïga, quoi. Ça va être du pin sylvestre, du bouleau. Mais sinon, c'est surtout de la steppe et de la toundra, enfin, surtout dès qu'on est en altitude, où on a des bruyères, de l'armoise, de la stipe, mais il n'y en a pas beaucoup de fougères pour le coup. Parce que c'est vraiment un milieu de forêt plutôt humide, plutôt tempéré. Alors, faut imaginer des grands. Enfin, c'est quand même très dégagé, quoi. Et avec très peu de forêts. À part dans des endroits où c'est vraiment humide et abrité. Mais il y a des essences qu'on trouve pas du tout dans l'air glaciaire. Qu'on trouve rarement. On n'a pas beaucoup de chênes, par exemple. Mais on en a, hein, bien sûr, hein, des noisetiers, des choses comme ça. Mais c'est quand même plutôt... faut imaginer des arbres un peu coriaces, quand même, comme du bouleau. On en a encore ici aussi, d'ailleurs, hein, du bouleau, le pin sylvestre, qu'on a de moins en moins, parce qu'il est... Il est plutôt remplacé par d'autres types de pins à présent, mais... Après, là, c'est vrai qu'on parle principalement de la dernière période glaciaire, voire de l'avant-dernière, mais entre ces périodes glaciaires, il y a des périodes interglaciaires, du coup, et notamment la dernière période interglaciaire, qu'on appelle l'Eemien. Il y a eu des températures plus chaudes qu'actuellement, même avec le réchauffement climatique, et potentiellement, il y avait une végétation, effectivement, assez différente, mais... C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel on travaille beaucoup actuellement, et je saurais pas dire quel type d'enregistrement. Peut-être des anciennes tourbières où on a peut-être ce genre de choses, mais à l'échelle des Pyrénées, je saurais pas dire précisément quel type
Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de vestiges? Il y a peut-être des lacs, le lac de Fréchinet, je sais qu'il y a un enregistrement assez... L'idéal pour l'enregistrement des pollens et de la végétation, c'est vraiment les milieux de lacs, parce qu'il y a une sédimentation continue, très fine, avec la végétation, enfin voilà, les pollens qui se déposent et par couches. Et du coup, on a là des séquences très continues et très longues, qui conservent très bien ce type de vestiges. Alors que là où on travaille en grotte, c'est une multitude de phénomènes d'accumulation, puis d'érosion, puis de réaccumulation, et pas forcément des milieux qui conservent bien, que ce soit les pollens ou... Voilà. Juste à propos des lacs, c'est marrant parce que j'avais besoin, pour un scénario d'un jeu, j'avais besoin d'un lac de montagne. Et donc, je cherchais justement un site où il y avait un beau lac, alors je l'ai fini par le trouver. Mais c'est compliqué, en fait. Il y a beaucoup de lacs artificiels. En fait, et quand on cherche, on dit est-ce qu'il est vrai, et c'est pas facile des fois de trouver l'info, de savoir s'il est naturel ou artificiel, parce qu'il y a des lacs artificiels qui remontent à quelques, enfin à un bon moment déjà, et là quand on doit reconstituer l'aspect d'un paysage à la préhistoire par exemple, ou même au Moyen-Âge, hein, ben à l'amont de la grotte du Mas, c'était un ancien lac, ouais. Peut-être aussi du côté de la Bastide de Céroul, hein, on sait pas. On en est moins certain, mais c'est possible aussi que toute cette plaine soit. Ça a été un ancien lac. Une intervention peut-être. Peut-être une réponse sur les fougères. Oui, sur les fougères et sur ce que vous disiez par rapport aux tourbières. En fait, c'est vraiment le lieu où on peut trouver, enfin actuellement en tout cas, où on arrive à avoir des carottages de la tourbe, où on arrive à remonter sur plusieurs dizaines de milliers d'années et donc à arriver sur les périodes interglaciaires, voire même en antérieure encore à la première période glaciaire, notamment à travers les pollens qu'on peut trouver ou d'autres éléments, puisque comme on est dans des milieux acides et sans oxygène, en fait, il n'y a pas de décomposition. Donc on arrive à trouver des choses très anciennes. Et c'est les seuls milieux, en tout cas, qu'on a dans les Pyrénées qui soient, à part les grottes, on va dire, suffisamment stables, où il n'y a pas forcément beaucoup de perturbations. Et du coup, jusque la date la plus ancienne que vous ayez. Alors, précisément, je ne saurais pas dire, parce que je ne saurais pas précisément là-dessus, mais on travaille avec des chercheurs, notamment de l'ESA, du CNRS, et on sait qu'on arrive à remonter à plus de 20 000 ans, en tout cas, sur certaines. Mais pas sur des graines. Même si ça peut arriver qu'on trouve quelques graines, mais c'est ponctuel et c'est de toute façon ce qui permet des datations de façon plus précise, c'est effectivement la vécu des pollens. En bas de la grotte de Lascaux, dans la vallée de la Vézère, on a des sondages, un sondage qui a été fait comme ça, où on a tapé des tours de Lémien, je crois. Donc ça remonte à 90 000, 120 000 ans, mais c'est vrai que c'est ensuite analysé, c'est assez rare. En fait, tout dépend du contexte de la fabrication, la création de la tourbière. Si jamais il y avait suffisamment de profondeur, parce que c'est l'ancien lac glaciaire, en tout cas en contexte montagnard, qui ont été petit à petit comblés. Enfin voilà, ça dépend depuis quand la tourbe a commencé à se former. Alors, on se bat contre l'érosion. Il faut arriver à retrouver les dépôts qui étaient à l'époque. Bon, du coup, je crois que ça tombe bien, parce que je crois que notre tour est fini. Ouais, ça fait une belle transition. Moi, j'allais proposer de regarder quelques images. Non, ah oui, si vous voulez. Oui, oui. Allez, on a 5 minutes, on regarde les images. Allez, merci. Si la technique marche... Je m'écarte un peu. Est-ce que tu as mis une photo du beau Porsche du Mas d'Asie? Ben évidemment. C'est la première. On parlait de repères dans le paysage. Voilà, ah oui, bon repère. Et là, ce qu'on voit, c'est la rive gauche sur laquelle on va fouiller l'été prochain, d'ailleurs. Il y a eu des fouilles anciennes et c'est sur cette rive-là qu'ont été découvertes les occupations asiliennes avec les fameux galets-pins. Donc c'est... Pas tout l'après-midi, s'il te plaît. Laisse-moi en un petit peu. Voilà.
On grignotera sur le repas. Il n'y a pas un dicton qui dit la science nourrit ou je ne sais quoi. Il y a deux moyens de se nourrir, avec la science, la culture et en dormant. Donc. Et alors, deux secondes, je peux ? Vas-y. On voit en bas, en fait, on voit les dalles calcaires qui se sont effondrées du plafond. Ah oui. Et en fait, qui ont pu permettre aux emprises de venir s'installer un peu au-dessus de la rivière. Donc, alors, on parlait de l'histoire de la crue. Voilà, on a... Non, parce qu'elles sont alors, après. Elles sont après, bon, oui, voilà. Allez, après. Non, alors, ça... En fait, ces dalles se sont effondrées à une période autour du néolithique. Donc, voilà, il y a peut-être une partie en dessous qui était paléolithique, mais celle-là, c'est néolithique. On le sait parce qu'il y a des dépôts néolithiques qui sont sous cet énorme caillou-là, ce bloc qui fait plusieurs mètres cubes, voire de volume. Et dessous, il y a des dépôts archéologiques avec des tessons de céramique du néolithique. Et par contre, alors, du coup, c'est une rive sur laquelle sont intervenus depuis très longtemps des archéologues au Mazazil. Il y a eu un gros sondage creusé sur lequel on va retravailler. Et tout ça pour dire qu'on a du magdalénien, donc on retrouve en rive droite, à l'intérieur même de la grotte. Et on a cette fameuse culture de l'Azilien, dont le nom est éponyme du Mazdazil, la grotte du Mazdazil. Et qui a été découverte à la charnière 19e-20e siècle, caractérisée par ces fameux galets peints, et qui est une des dernières périodes de chasseurs-cueilleurs. Après, on bascule sur, avec le mésolithique, sur une période avec plus de végétation déjà, une forestière, des méthodes de chasse qui évoluent, et ensuite à l'agriculture. Donc voilà, c'est bon. Peut-être je vais. Ah oui. Oui. Merci. Donc là, c'était juste pour nous montrer au travail. C'était. Alors ça, c'était dans les années 2011, avant la construction du bâtiment. Il y a un pointeur. Avant la construction du bâtiment muséographique qu'il y a ici maintenant. Et au moment de la découverte des niveaux orignaciens, parce que il y avait de l'orignacien connu, ça c'est le bâtiment en cours de construction. Il y avait de l'orignacien, donc 35 000 ans, qui était connu dans la grotte, mais il y avait juste quelques petits objets sous forme remaniée. Mais les niveaux d'occupation, on les a retrouvés à cette occasion-là. C'est ce qui a lancé ensuite les programmes de recherche, etc. Et on est aussi intervenu devant la grotte à la pelle mécanique. Il faut dire qu'en archéologie préventive, nous, on utilise souvent la pelle mécanique pour voir ce qu'il y a. On est loin du pinceau et de l'outil de dentiste, de la brosse à dents. Donc ça, c'est notre outil de travail principal, on va dire. Et donc, du coup, on est intervenu à l'extérieur sur le parking et la... Là où il y a les toilettes et la... Comment on appelle ça? La laiterie. Ouais. Non, là où on récupère toutes les eaux usées. Ah. Ça, c'est l'intérieur de la grotte. Donc, pour vous, je vous parlais de la manière de procéder. Donc, d'abord, les observations. À l'intérieur de la grotte, dans la salle du temple qui est au milieu, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas jamais fait la visite du Mas, à y aller, du coup. Des galets qui ont été conservés de la base quasiment jusqu'au sommet. Donc ils ne sont pas arrivés là par hasard, donc ce sont les galets dont on parlait au début qui sont en schiste, en quartz, donc qui ne viennent pas de la grotte, qui sont roulés, qui ont été amenés par la rivière. Donc tout ça sont des galets qui témoignent du creusement de la cavité. Et là on regarde aussi les formes de parois. Là il n'y a plus de galets, par contre on a des espèces de grandes cannelures, ce qui signifie que l'eau, comme elle ne pouvait pas creuser ces galets, elle a creusé la paroi calcaire, elle a fait, sous pression, elle a fait ces espèces de cannelures, elle a fait creuser aussi des conduits, et ça veut dire que tout ça, c'était rempli de galets. Là, c'est un exemple de dépôt archéologique, donc c'est pas très sexy, on va dire, hein, quand on voit comme ça. C'est juste de la terre un peu rougeâtre, avec des tout petits bouts de charbon, des micro-bouts d'os brûlés. Donc des choses vraiment très petites, très fragmentées. On a à l'échelle 10 cm, donc c'est vraiment tout petit. Ici, on a une dent de cheval qui est très abîmée aussi.
et de temps en temps un petit outil en silex qui a été perdu par un de nos prédécesseurs. Donc voilà, après on travaille sur la topographie de la grotte, donc sa forme générale, ce qui nous donne aussi des indications sur la manière dont elle s'est formée. Et après, une fois qu'on a observé, qu'on a ces outils, ben on répertorie, on note tout ça sous forme de carte, ça c'est une carte géologique. On a les formes des parois, tous ces petits symboles, ça des formes de parois, les formes d'érosion, les dépôts, les couleurs, c'est les différents types de dépôts qu'on peut avoir. Et à partir de ça, ben, on peut réfléchir, donner des interprétations. Donc je vous ai montré la carte en plan. On fait aussi des relevés stratigraphiques, donc l'accumulation des couches. Ici on a des limons. Ici on voit qu'ils ont été érodés et remaniés. Et ici on voit qu'il y a un effondrement à la base duquel on a des petits charbons. Et donc du coup qui nous témoigne d'une fréquentation avant cet effondrement. Et au sommet en rouge, les niveaux d'occupation magdaléniens. Donc on a même eu une petite fréquentation au solutréen avant le magdalénien, donc il y a 20 000 ans à peu près. Et ça nous donne une indication de la date de vidange du lac donc, qui a séparé les Aurignacien de magdaléniens. Et une fois qu'on a fait ces relevés, donc ça les relevés c'est dérivé de l'observation, c'est ce qu'on voit qu'on note directement sur... qu'on dessine en fait avec l'échelle, etc. Et après on fait un schéma de fonctionnement, c'est-à-dire à partir de toutes des observations puis des relevés, là on schématise et on dit voilà, bah, y a eu une première période où les Aurignaciens sont venus, puis le lac a déposé des limons et des sédiments fluviatiles qui ont été eux-mêmes érodés quand la rivière est revenue, qui a permis une nouvelle occupation. Ces occupants ont jeté des déchets de cuisine dans cet espace-là, et ensuite à nouveau on a des effondrements, etc. etc. Donc on met tout en relation pour construire une histoire, finalement. C'est notre histoire à nous. Elle est pas très... on évite justement qu'elle soit romancée. Il n'y a pas trop d'humains et de sentiments dedans, mais voilà. Et après, en chronologie, l'histoire, les humains sont venus il y a 35 000 ans, il y a un lac qui s'est créé, qui a empêché l'occupation, là, le lac s'est vidangé, à nouveau, on a une petite fréquentation, peut-être de l'art. On a une lacune, là, de fréquentation entre 22 000 et 18 000, on ne sait pas pourquoi, la grotte était accessible, les humains ont choisi de ne pas venir là, occuper. Et ensuite, une grosse occupation qui est ici. Alors c'est rigolo parce qu'en rive gauche, ils sont là un petit peu avant. Et en rive droite, on a un petit épisode de refroidissement. Alors on a l'impression qu'ils vont se réfugier au fond de la grotte. Et après, là, on a une occupation en rive gauche et en rive droite, donc à l'extérieur, sous le porche et à l'intérieur, qui se développe jusqu'à 12 000, 10 000... sans doute plus récemment, mais après il y a l'érosion des humains postérieurs qui ont fait leur œuvre. Donc voilà des images de la grotte. Et je vais m'arrêter là ou vous en voulez encore? Et le lac, le fameux paléolac de Maury. Donc voilà, cette grande plaine toute plate, en fait, ça c'était un lac. Donc voilà pour le MAS. J'avais sur Bédéiac aussi, mais c'est la même démarche. Celle de Bédéiac aussi. Écoutez, je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. Je remercie Bastien, je remercie Céline, je remercie Emmanuel. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et puis voilà, on continue. Merci. Alors si vous voulez regarder les livres, c'est surtout Emmanuel. Mais en même temps, celui-ci qui est... Il y a les trois volumes qui sont là.
Puisque la présentation a été faite de la manifestation, donc voilà, nous avons avec nous Henri, oui, Taverner. Bonjour. Je vais essayer de ne pas me mélanger, mais tout à l'heure c'était facile, il y avait une dame. Donc Henri Taverner, il est responsable éditorial Le Pas d'Oiseau, et notamment pour le livre que vous avez pu regarder, là, il est là-dessus sur la table aussi. Ariège Grandeur Nature, un livre magnifique, mais vraiment magnifique, qui permet vraiment de faire un survol de l'Ariège. Voilà. Ensuite, nous avons Hugo, le chevalier, qui est ingénieur écologue, qui travaille essentiellement sur les milieux montagnards. Je vous laisserai vous présenter, oui, après, hein, parce que je vais être très courte pour que vous puissiez vous développer. Et les enjeux écologiques qui y sont associés. Et ensuite, nous avons Luca Santucci, qui est ingénieur agronome au départ, au départ, hein, mais ensuite qui s'est plutôt tourné vers la photo journaliste. Photographe journaliste, qui a plus particulièrement illustré les photographies du livre qui est là, qui est le Desmans des Pyrénées. Un très très beau livre qui se lit comme une véritable enquête, puisque nous avons le point de départ jusqu'à la découverte, la photographie et tout. C'est vraiment un très très beau livre aussi. Voilà, donc je vais vous laisser chacun à tour de rôle en dire un petit peu plus, sachant que cette table ronde a pour titre « Petites et grosses bêtes ». En Ariège, il y a de quoi dire quand même. Voilà, donc je vous laisse chacun. Allez-y, comme vous voulez, on va commencer par ça. Donc oui, bon, ben, je suis l'éditeur du livre Ariège Grandeur Nature, édition Le Pas d'Oiseau, qui existe depuis 2005. Oui. Et bon, j'ai beaucoup publié sur l'Ariège, sur le côté historique et patrimoine, et sur les Pyrénées plus généralement, mais beaucoup sur l'Ariège, et dans un tout autre domaine, sur le sport, mais d'un point de vue historique, c'est-à-dire regarder le sport avec un regard d'historien. Donc c'est deux domaines qui sont très différents, mais qui se sont croisés dès le premier livre, puisque pour lancer la mécanique, j'avais écrit le premier livre qui racontait l'histoire du cyclisme, enfin du vélo en Ariège. Donc là, c'était à la fois c'était du local et du sport. Voilà. Et donc ce bouquin, Ariège Grandeur Nature, donc oui, on est un peu connu en Ariège parce qu'il n'y a pas énormément d'éditeurs déjà, et par une certaine fidélité à des thèmes sur l'Ariège. Et donc j'ai été contacté par... comment ça s'est passé au début? Oui, l'éditeur... Astrid, qui s'occupe des éditions, qui est à Massat. On le trouvera en route. Et donc, bon, parce qu'elle avait été contactée apparemment, où elle connaissait des gens de l'ANA, mais elle se sentait pas de faire ce genre de bouquin parce qu'elle est plus littérature. Et donc, elle me parle de ça. Je dis, ben, pourquoi pas, quoi. Et donc, je suis rentré en contact avec les gens de l'ANA. Et parce que c'était vraiment un sujet qui était tout à fait dans le cadre de ce qu'on fait. Parce que quand on est éditeur, c'est un peu compliqué, des fois. On est sollicité sur des projets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et il faut expliquer aux auteurs que, pour un auteur, ce qui est capital au départ, c'est de trouver l'éditeur qui est en rapport avec ce qu'il propose, sinon c'est n'importe quoi. Et donc là, c'était tout à fait dans le cadre de ce qu'on publiait. Et donc on est rentré en contact, on a parlé du projet, et ça s'est fait assez bien et assez vite. Nous, l'idée, c'était de le sortir avant la fin de l'année. C'était il y a 3 ans ou 4, je ne sais plus trop. Sans, comme il y a 2 années qui ont sauté, là, on ne sait plus trop les dates. Et donc on a fait, avec la maquettiste qui a eu un rôle majeur dans la construction du livre, on a fait 2 ou 3 réunions, peut-être même pas, en présence physique, comme on disait avant, simplement.
Et donc tout s'est fait par Internet. Et moi, ce qui m'a frappé d'emblée, et pourquoi j'étais très partisan de faire le bouquin, c'est qu'il nous donnait des documents de très bonne qualité technique, au niveau des photos. C'est un ouvrage collectif, il y a plusieurs personnes de l'ANA qui... Et chacun très spécialiste dans son domaine. Donc le livre présentait une qualité technique évidente, parce que des fois, on nous propose des livres avec des documents, en ce moment j'ai ce cas-là, des documents qui laissent à désirer, et c'est quand même compliqué de faire un livre pour qu'il ait un bon aspect. Donc là, c'était imparable. Plus des textes écrits par des spécialistes. Et donc, si vous voulez, en tant qu'éditeur, moi je me suis dit, vu ce qu'on fait, vu le sujet, c'est complètement en adéquation. C'est-à-dire que... Et l'idée de le sortir vers la fin de l'année, c'est que quand même le livre reste la chose qui s'offre le plus à Noël. Et je crois pouvoir dire que c'est le livre qui s'est le plus offert sur le Noël 2019, peut-être, je sais pas. Et tout ça aussi, c'est parce que je pensais que il y avait une attente sur un bouquin comme ça, parce que pour le public ariégeois autochtone, on dira, c'était assez évident, mais aussi pour le public, les touristes qui viennent en Ariège, parce qu'on ne vient pas en Ariège pour voir des châteaux de la Loire, il y a beaucoup de gens qui viennent pour la nature et y être baigné, quoi. Donc voilà. Et l'idée de... Là, je parle pour eux, mais l'idée de l'ANA, c'était pour fêter, je crois, les 30 ans, je ne sais plus, hein, de l'association. Il faut savoir qu'ils sont 500 adhérents. Ils voulaient faire un beau livre qui soit distribué. Parce qu'eux-mêmes éditent des livres. Ils avaient publié un bouquin sur les orchidées, sur peut-être des oiseaux. Enfin, mais ils distribuaient par eux-mêmes dans les points de vente ariégeois, mais pas trop au-delà. Donc ils attendaient ça de nous. Et là, bon, ils tombaient assez bien, puisque moi, sur l'Ariège, je distribue et diffuse moi-même. Et sur le reste de la France, j'ai un distributeur national. Qui fait que ça permettait au livre de... Et même nationalement, c'est vrai que c'est un livre qui a pas mal marché, parce que l'Ariège a cette image nature. Voilà. Alors. Bon, voilà, j'ai été long, mais... Continuons avec Hugo. J'ai tout dit comme ça. Hugo. Oui, bon alors du coup, je ne sais pas trop comment rebondir là-dessus. Si on reste sur le support livre, je pense que je peux aussi toucher quelques mots. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans ma présentation, j'ai surtout dit que j'étais donc effectivement ingénieur écologue, c'est ma formation. Je suis surtout vulgarisateur scientifique, donc au sein de l'association Ad Naturam. Nous, on n'édite pas vraiment de livres, le principe étant de fournir un contenu de vulgarisation libre de droit, donc qui se retrouvera sur Internet, sur notre site, vous trouverez facilement avec le nom de l'association. Le principe qu'on a, ouais, donc ce ne sera pas forcément de faire des gros ouvrages, forcément très exhaustifs. Le principe étant surtout d'avoir une approche de la nature qui se base sur la vulgarisation, donc l'approche scientifique du vivant. C'est que là, avec l'ANA, on est vraiment sur une approche naturaliste, qui est extrêmement intéressante. Nous, on est plutôt sur une approche technique avec la compréhension du fonctionnement du vivant. Et donc, toute la difficulté dans la vulgarisation, c'est d'arriver à simplifier suffisamment pour rendre les connaissances techniques accessibles, sans trop que ce soit simpliste non plus, et qu'on ait des erreurs d'interprétation. Voilà, donc moi, je suis plutôt là-dessus. Donc, en termes d'introduction, je pense que ça va jouer. C'est bon. Super, mais voilà, alors, du coup... Moi, je suis vraiment sur un autre type de domaine. Donc, je suis photojournaliste à la base. Hein, je travaille avec l'agence Zeppelin, qui est une agence nationale sur laquelle on diffuse des reportages, des grands reportages, un peu partout en France et à l'international. Donc, on travaille principalement, très peu avec des journaux, mais principalement avec des magazines, type... Alors ça va des plus petits comme Pyrénées Magazine par ici, jusqu'à Géo, Paris Match, National Géo, des magazines à l'étranger. Voilà.
Et donc, on va diffuser tout type de reportage, on va dire. On fait aussi bien du social, du scientifique, enfin voilà, peu importe en fait ce qu'on fait, tout reportage, entre guillemets, se construit de la même manière, et c'est chaque photojournaliste qui va avoir voilà, son bagage avec lui, qui va l'amener vers les sujets qu'il aime, les sujets qui l'importent et qui lui plaisent. Voilà. Et donc moi particulièrement, j'ai d'abord été reconnu dans ce domaine-là pour faire des expéditions polaires, expéditions scientifiques que j'ai suivies, donc, par exemple l'expédition Under the Pole, les expéditions adaptation avec Christian Clot, voilà, Plastic Odyssey, d'autres types d'expéditions dans ce genre-là. Et puis petit à petit, en revenant un peu par là, tout ce qui est un peu plus voilà, animalier, et principalement avec du coup le décement des Pyrénées, sur lequel j'ai travaillé pendant un petit moment avec l'équipe donc du CEN Midi-Pyrénées, donc qui est maintenant le CEN Occitanie. Voilà, bon, moi le décement, c'était j'ai pas spécialement de connaissances naturalistes à la base, hein, mais le décement des Pyrénées, c'était un peu une passion de gosse, on va dire, d'essayer de voir le décement, tout ça, puis bon, jamais réussi, comme tout le monde à peu près, et jusqu'à ce que là, je revienne d'expédition et que je rencontre un des deux co-auteurs, donc Frédéric Blanc, qui est donc au CEN, et on a bien sympathisé, commencé un reportage, et puis aller plus loin. Moi voilà, comme en plus c'était le décement, il y avait vraiment cette envie d'aller faire un peu ces premières photos sous-marines de l'animal, parce qu'il y a... Il n'y en avait pas avant ça, en fait. Hein. Il y avait quelques photos quand même du décement à droite à gauche, mais sous-marine, il n'y en avait pas. Donc, voilà, parce que j'ai aussi une petite valise sous-marin dans mes bagages. Et du coup, voilà, ça a été vraiment un projet un peu plus même que le photojournalisme, peut-être. Et du coup, derrière, bah, on avait voilà, de la matière, enfin de la matière, entre guillemets, sur ce décement des Pyrénées, eux, de la matière, du savoir accumulé, etc. Et moi, cette matière photo, parce qu'ils avaient vraiment un problème, c'était que c'était compliqué. Je pense qu'on va pas mal parler de ça, à mon avis, autour de cette table ronde, de communiquer sur ces espèces quand on n'a pas forcément la matière, quand on n'a pas forcément ce qu'il faut pour le faire connaître. Et du coup, ben voilà, ça a permis de faire des reportages qui ont été diffusés à droite à gauche. Ce livre qui a permis vraiment de, voilà, d'apporter, c'est fait de manière très grand public, hein, ça peut être lu à des enfants, etc. C'est vraiment raconté comme un récit, comme une histoire, mais on apprend pas mal de choses sur le décement. Il y a une petite partie complémentaire à la fin pour ceux qui ont envie de manger un peu plus fort, et ça a permis voilà de faire parler des décements. Bien sûr, il y a eu une exposition, ça a permis de tourner un peu partout en France avec cette exposition, et du coup bah, derrière bah, de fil en aiguille, maintenant on retrouve des trucs sur le décement, sur Brut, sur 20 minutes, etc. Ça découle un peu de toute cette démarche là qui permet de un peu de vulgarisation, pour reprendre, hein, et de diffusion à travers l'édition, de communiquer sur ces espèces et de permettre de mieux les connaître, en tout cas de les faire connaître, et à travers les faire connaître, bien c'est à partir de là on peut commencer de faire protéger, de faire attention, et de tout ce qui va derrière. Voilà, on va dire un petit peu, c'est un résumé. Alors moi, sur le décement, je connais un petit peu l'Ariège, hein, parce que j'ai une maison pas très loin d'ici, et je me suis... D'abord, c'est fait comme une enquête. C'est vraiment une enquête, point de départ, les découvertes, c'est vraiment... Et puis moi, à la fin, quand j'ai tourné la dernière page, j'ai dit, peut-être que tu en as vu, mais peut-être que tu ne savais pas que ça en était. C'est possible. Parce que une souris, d'abord j'ai peur, ça se présente comme une toute petite souris qui apparemment plonge dans l'eau. Il m'est arrivé de longer beaucoup de petites rivières, de petits ruisseaux, de petits trucs où on voit des petits machins qui montent, enfin qui sautent dans l'eau. Et je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de photos. Et je me dis que peut-être j'en ai vu et que peut-être un jour je vérifierai que ça en est un. C'est vrai que c'est très compliqué. Ils ont un peu le problème au Conservatoire des espaces naturels, ceux qui recueillent un peu à l'heure actuelle les données qu'on peut avoir sur le décement à travers tout un réseau, hein, dans les Pyrénées, d'autres associations, partenaires, etc. Et c'est vrai que bah, souvent, voilà, ils reçoivent des mails qui leur disent bah, « voilà, moi j'ai vu un décement à tel endroit, etc. Et » et donc ils se renseignent pour voir, parce qu'en fait... C'est très difficile quand on regarde un décement, ça peut être plein d'autres choses en fait. C'est ça. Ça va très très vite. Beaucoup de gens n'en ont jamais vu, n'ont pas trop idée réellement à quoi ça ressemble. Donc en fait, il y a plein d'espèces qui
peuvent lui ressembler dans le comportement ou dans les niveaux de taille et tout ça. Parce que entre ça ou ça, bon, ça. Réellement, à l'œil, on ne voit pas trop. Mais de toute façon, moi, j'ai peur. Passer bien et même moi, quand j'ai fait les photos, j'ai passé beaucoup de temps. J'avais déjà commencé j'ai passé plus d'un mois en montagne sur un spot où ça fonctionnait, où on en voyait tous les jours. Même à force de les voir tous les jours, etc. Un matin, je vois y a un animal qui part dans l'eau, etc. On se dit, c'est un décement, on commence à le suivre. Et puis, en fait, il y avait des petites choses qui étaient étonnantes, mais il m'a fallu presque 10 minutes d'observation et le suivre sur plusieurs dizaines de mètres pour me rendre compte que c'était pas un décement. Donc, quand les gens voient un truc comme ça qui passe dans l'eau et qui dit c'est un décement, ça reste très, très, très compliqué de l'affirmer si la personne n'est pas un peu connaisseur et s'il y a certains types de comportements qui permettent de mieux comprendre que d'autres. Et s'il n'y a pas une photo à l'appui, c'est très, très, très difficile de confirmer que c'est vraiment un décement. Et ça reste toujours un indicateur de la qualité des eaux. Oui, a priori, il est dans les eaux, en effet, où, en bonne santé, parce qu'il faut qu'il y ait toute une chaîne alimentaire qui soit dans l'eau. Il se nourrit de petits invertébrés au fond des cours d'eau. Et du coup, il a besoin, en effet, que les cours d'eau soient en bonne santé. C'est sûr que c'est une espèce qui recule. A priori, par rapport au relevé d'il y a 40 ans et les relevés dernièrement, je crois que la moitié de son territoire a disparu. Et principalement, en fait, il remonte en hauteur, pas pour des histoires a priori de réchauffement climatique, mais plus parce que dans les plaines et tout ça, etc., il y a la présence humaine et qui est très forte. Quoi. Ouais, c'est vrai que je rebondis un petit peu là-dessus. J'entends qualité d'eau, et c'est souvent ce qu'on associe aux animaux aquatiques en se disant si on a une espèce un petit peu rare, est-ce que c'est indicateur de bonne qualité d'eau ? Dans les milieux aquatiques, il n'y a pas que la qualité de l'eau, mais il y a aussi vraiment l'habitat et le substrat qui compte énormément, le courant, la température, etc. Donc en fait, il va être un indicateur d'habitat, comme tu disais, effectivement, et ce n'est pas forcément lié à la qualité de l'eau, ça peut être lié aussi à l'utilisation des rivières, telle qu'elle en est faite par l'activité humaine en montagne aussi, avec l'introduction d'espèces ou avec les travaux de rivières. C'est ça, les berges qui sont bétonnées. Les berges qui sont bétonnées. De petites cavités. Voilà. Si on bétonne toutes les berges, il n'y aura plus de décement, c'est sûr. Un des gros problèmes des milieux aquatiques, ça va être ça aussi. Voilà, l'impact sur vraiment la morphologie de la rivière en elle-même. Quoi. Les retenues. Ouais, ouais. Les retenues, les barrages. Oui, ça peut poser des soucis, bien sûr. C'est ça, oui.
s'en fout. Enfin, il faut le dire. Voilà. Donc il faut sensibiliser sur certaines choses, et on va en parler dans le livre des Sports des Pyrénées. Là, je ne sais plus, je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais il me semble qu'on parle d'autres petits mammifères qui sont à côté. On va parler de ces prédateurs, donc on va parler à travers cette espèce-là, on va sensibiliser le public à d'autres choses autour. Voilà, et ça c'est important. Et il y a plein de manières de le faire. Ça passe par en effet des livres qui sont peut-être plus journalistiques ou quoi, ça part aussi par des belles images comme sûrement, j'ai pas ouvert encore Ariège Grandeur Nature, mais je vois très bien la couverture et je me doute de ce qu'il y a dedans. C'est des livres qui vont permettre à certaines personnes de se passionner, de passer le pas et de devenir naturaliste, d'avoir envie de protéger tout ça et d'y faire attention. Et voilà, ça va changer des gens, et il faut qu'il y ait ce genre de bouquin qui soit là. D'accord. Et alors voilà, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le campagnol amphibie mérite un livre à lui tout seul? Je sais pas, on peut en parler. Non, parce que, comme tu dis, ça, l'effet parapluie de l'espèce, c'est aussi, on focus sur une espèce en particulier, dans le cas du Desmond, je veux dire, mais une fois qu'on a lu tout ça, entre les lignes, on comprend que ça va au-delà, que ça ne va pas être juste une espèce, mais ça va être aussi un habitat, toute une communauté qui vit là, et c'est ça qui est intéressant, et je pense que... J'ai pas lu le livre du Desmond, mais c'est ce que tu disais. En termes de narration, d'avoir une narration sous forme d'enquête, ça donne un fil rouge extrêmement intéressant pour pouvoir creuser le sujet sans perdre vraiment l'attention des lecteurs. Parce que dans le livre, on revient sur l'environnement du Desmond, c'est-à-dire que lui, il n'est pas tout seul. Il habite avec d'autres. Ouais. Et il s'en nourrit, et sûrement qu'il doit... Une mètre de nourriture. Puisque j'ai appris que les animaux domestiques doivent être gardés chez eux, parce que ce sont des prédateurs de Desmond. Donc les chats, par exemple, aiment bien le Desmond, parce qu'ils le prennent comme moi pour une souris. Ce sont des prédateurs. Mais on apprend en même temps l'environnement, et moi c'était... Mais je ne sais pas s'il y a une question, parce que moi j'avais une question, parce que la vulgarisation, que ce soit à travers, qui est passionnant, hein, Grandeur Nature, parce qu'il balaye vraiment tout l'aspect, le terrain, l'environnement, tout ça balaye vraiment tout. Mais est-ce que justement, dans un bouquin comme le Desmond, cette vulgarisation, il faudrait, mais je pense que là, il le fait, servir la sensibilisation et prendre conscience de la protection des espèces, parce qu'il ne suffit pas de protéger le Desmond, il faut aussi protéger le milieu aquatique, il faut protéger beaucoup de choses. Et je pense qu'il est bon d'expliquer ça. Oui, en fait, je pourrais dire la vulgarisation à but de sensibilisation. Je pense que quand on vulgarise sur l'écologie, c'est un but qui est... toujours présent, hein, étant donné la crise écologique qu'on vit, forcément on ne peut pas passer à côté. Et je pense que c'est aussi extrêmement important, c'est que souvent dans la communication sur la nature, ça va passer par l'émotionnel. On va être dans des approches à montrer des belles choses, à dire la nature c'est beau, faut la préserver, parce que moralement c'est important, ce qui est vrai. Mais c'est aussi rarement une explication technique. Voir les choses, évidemment, il faut protéger parce que ça va permettre ça, on conserve un équilibre, etc., etc. Donc la vulgarisation scientifique là-dessus, donc l'accroche peut se faire par les belles espèces, les espèces patrimoniales, puis en creusant un peu le fonctionnement, on comprend un peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Et je pense que ça a une importance énorme pour qu'on se rende compte que c'est pas juste qu'on protège une espèce parce qu'elle est jolie ou quoi que ce soit, mais qu'il y a une réelle fonctionnalité derrière, qu'il y a un réel intérêt à maintenir la biodiversité et les habitats, que voilà, c'est des espèces parapluies, ça ne concerne pas que l'espèce dont on parle, mais bien l'ensemble des espèces qui peuvent vivre dans ces milieux. Donc oui, il est très important d'avoir une vulgarisation sous-jacente derrière tout ça, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Voilà, c'est vrai que moi je rebondis sur ce que tu dis, et c'est le problème qu'on a eu quand on a fait le livre Desmond des Pyrénées, c'est que on avait cette idée de vulgariser, mais de vulgariser au point justement cette idée de récit où quelqu'un va rentrer dans un récit comme s'il va lire un roman, mais d'apporter énormément d'informations, parce qu'il y a de l'information, il y a des choses qu'on sait, etc. Donc d'être à la fois un côté naturaliste, bien sûr,
un côté romain pour que les gens puissent lire ça de manière facile et qu'on puisse toucher un plus grand nombre de personnes, aller plus loin que celui qui est juste intéressé par le côté un peu naturaliste, et un côté un peu plus technique dans le même bouquin. Donc voilà, moi c'est pas mon premier bouquin, j'en ai fait plusieurs, et donc connaissant les principes des maisons d'édition, etc., on est de base, moi j'avais tendance à vouloir passer par une maison d'édition pour faire ce livre. Et donc on allait en voir plusieurs. Alors on n'est pas venu vous voir, mais on, mais on allait en voir plusieurs. Et on s'est pris un peu à chaque fois la même porte fermée entre guillemets, parce que le livre était trop hybride. On était sur à la fois un roman, un truc naturaliste, hein, je sais pas quoi. Et en fait on nous disait, mais dans quel rayon je vais le mettre? Ah mais ça c'est le grand problème, voilà. Des livres. Ben, c'est sûr, mais moi j'ai envie de dire, à un moment, en fait, c'est pas grave en fait, le rayon. Il faut peut-être aller plus loin et se dire qu'en fait on est en train de faire un nouveau type de livre. Je pense que vraiment il y a quoi, l'adapter, faire plein de choses sur ce livre. Mais on est sur un type de livre un peu nouveau, je pense pas qu'on soit les seuls à le faire, il y a sûrement plein d'autres gens qui ont dû faire des choses un peu comme ça, mais où on va mélanger du roman, de l'information, de la science, en plus avec voilà, une petite partie à la fin derrière. Il y a la photo qui est là, il y a le dessin qui est là pour compléter, parce que l'idée c'est pas d'avoir que des belles photos, vous verrez d'ailleurs à travers que les photos sont pas les plus, enfin c'est pas la meilleure mise en avant des photos possibles, parce que le texte est important, l'important c'est d'y trouver aussi un équilibre dans tout ça. Et voilà, donc au final on a auto-édité, ce qui a des avantages et des inconvénients, mais ça a été notre seul moyen, entre guillemets, de faire publier ce livre, et avec notre idée. Parce que, à chaque fois, on disait, mais non, mais j'ai une meilleure idée pour vous, vous devriez... Non, on veut aller là-dessus, on a notre idée en tête. Mais c'est un problème constant pour le livre, moi je suis là très bien placé pour le dire, par rapport à ce type de livre, mais les livres que j'ai publiés sur l'histoire du sport, quand je dis histoire du sport, il y a un auteur auquel je suis assez fidèle, qui a écrit le déroulement du Tour de France 1914. Parce que le Tour 14, il démarre le lendemain de l'assassinat de Sarajevo, et il se termine la veille de la déclaration de la guerre. Donc il raconte le déroulement sportif de l'épreuve, avec en regard la montée de la tension internationale. Et après il a fait ça pour le Tour 1919, qui est la reprise, là je viens de publier 1936. Et donc les libraires, mais ça c'est dû au fonctionnement économique des librairies, ils ont chacun, les gros notamment, ils ont chacun une sorte d'autonomie dans les rayons. Et donc, par exemple, à Ombre Blanche, à Toulouse, c'était la guéguerre entre... Il y en a un, il disait, il faut absolument qu'il soit rayon histoire. Et l'autre, qui s'occupait du rayon sport, il disait, il faut qu'il soit dans le sport. Et moi... Ouais, mais ça ils ne veulent pas. Ça ils ne veulent pas. Et moi, j'aurais dit, de toute façon, à mon avis, il faut qu'il soit en rayon sport. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on a des articles dans la presse nationale, on va les avoir dans la presse sport. Donc après, bon, aux gens de voir ce qu'ils veulent, quoi. Mais c'est un casse-tête à chaque fois. Bon, avec ça, là, il n'y a eu aucun problème, parce que le côté naturaliste est évident, et on ne s'est pas, on s'est pas posé la question de la vulgarisation, quoi, parce que le livre est construit... quelqu'un qui est de l'ANA ici, Julien le confirmera, le livre est construit par type de paysage, c'est-à-dire on n'a pas fait une partie sur les oiseaux, sur les mammifères, une partie sur les fleurs, une partie... C'est construit par type de paysage, c'est-à-dire il y a un chapitre sur la forêt, un chapitre sur les zones humides, un chapitre sur les grottes, voilà. Et dans chacun de ces environnements, c'est une sorte d'inventaire de la faune et de la flore à travers les différents paysages de l'Ariège. Donc, et là, il y a évidemment une vocation grand public, parce que le sujet est large. Tandis que vous, c'est différent, mais en même temps, le sujet étant le décement, moi, enfin, je parle en tant qu'éditeur, là, vous m'auriez proposé ça, je crois que ça m'aurait intéressé, parce que le sujet est évident, c'est le décement. Il faut avoir un sujet évident quand on fait des bouquins. J'ai eu par exemple un très gros souci avec un livre proposé par l'université du Mirail sur l'histoire des documents anciens, les compois, les cadastres et tout ça. Et je me suis dit, bon, avec un rayonnement géographique assez grand,
pays de Garonne jusqu'au pays de Savoie. Je me suis dit, bon, c'est pas mal, ça élargit peut-être la zone géographique. En fait, il faut jamais faire ça, je crois. C'est-à-dire que plus un livre, je dirais pas plus le sujet est étroit, mais des fois presque, le sujet est précis, il est précis et il marche. Parce que les gens qui s'intéressent au sujet, on trouve le livre qui manque. J'ai eu l'exemple avec un bouquin fait aussi à l'Université du Mirail sur les fouilles archéologiques dans la vallée d'Ossau, les estives d'Ossau. Alors le sujet est quand même hyper pointu, c'est quand même technique, c'est de l'archéologie, enfin, c'est pas grand public. C'est un livre qui a fait un carton en assez peu de temps. Et pourquoi ? Parce que la zone identifiée est évidente, et là l'animal est évident, et moi je pense que c'est plutôt un atout que de vouloir louvoyer entre plusieurs... Bien sûr. Enfin, c'est, moi, c'est... Non, mais tout à fait. C'est... Moi, je suis d'accord là-dessus. Hein. Et donc là, on accepte la manière dont le livre a été conçu. Donc voilà, ben, nous, c'est vrai que du coup, les personnes se voyaient mal le ventre derrière. Ouais, ouais. Mal... C'est vrai que c'est atypique, parce qu'on a des témoignages. Alors c'est vrai qu'il y a les témoignages des uns et des autres qui apportent justement un caractère scientifique quand ils expliquent. Là, il y a Gap, je crois, Cap. Il y a plusieurs témoignages oui, dans bah, le livre. Et c'est vrai que c'est atypique, mais en même temps, ça donne beaucoup de renseignements. C'est des témoignages. C'est pour ça que je parle d'enquête. Parce qu'il y a les témoignages. C'est ça. Comme une enquête. Hein, c'est vraiment, ça. Mais on le voit. En fait, l'idée, c'est un peu mon histoire romancée, comme un photoreportage. Un journaliste qui va. Voilà, on a un peu romancé le truc. Un journaliste qui va à l'enquête, qui c'est va ça. Mener une enquête, qui va essayer de comprendre le décement, qu'est-ce qu'il est, etc. Et qui va interviewer ses Et il va aller rencontrer toutes les personnes pour l'amener à comprendre son histoire. Voilà. Du coup, c'est ça que je dis, on peut vraiment le lire à des enfants. Il faut leur expliquer quelques mots techniques, parce qu'il y a quand même de la technique dans le livre. Donc il faudra leur expliquer quelques mots. Mais c'est là, ils vont être pris par cette histoire, cette enquête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on avance, et on apprend petit à petit tout ce qui s'y passe. Et puis on va apprendre, un coup on va aller rencontrer les gens du Seine, ils vont nous apprendre sur le décement, qu'est-ce qu'il est, il y a des décements en Russie, tout ça, pourquoi, etc. Puis après on va aller rencontrer la Fédération Haute-Claire qui est dans les cours d'eau et qui va, qu'est-ce qui se passe dans les cours d'eau, qu'est-ce qu'on y voit dans les cours d'eau, Après on va aller rencontrer les vétérinaires qui s'occupent de regarder le décement, pourquoi il meurt, on apprend qu'il y a des prédateurs, les chats, les chiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire là et pourquoi les espèces invasives et tout ça. Voilà. Petit à petit, on apprend tout sur le décement. Voilà. Et c'est vrai que bon, c'est l'idée qui s'est faite sur ce livre-là aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais il y a l'idée d'en faire un peu une série potentiellement. Voilà. Ouais. Une série de livres un peu sur plusieurs espèces emblématiques des Pyrénées, ou même peut-être sortir des Pyrénées, c'est possible. Et voilà, en tout cas, ça a son public, il a très très bien marché. Nous, on a très mal diffusé, et ça a marché quand même, donc c'est déjà pas mal. Du coup, c'est vrai que je repense à ça, justement, en termes de public, en termes de choix, de rayons, de librairie, etc. Dans une approche de sensibilisation, du coup, tu dis qu'effectivement, il a trouvé son public, mais est-ce que c'était pas déjà un public plus ou moins déjà acquis, en quelque sorte, des gens qui sont déjà sensibilisés, qui auraient aimé en savoir plus ? Est-ce que les gens qui auraient été les plus... pertinent à sensibiliser en quelque sorte, ne serait pas juste passé à côté. Ah oui et non. Oui, c'est sûr que c'est un public qui est en partie sensibilisé. Et par exemple, déjà ce livre-là, on a trouvé des financements, etc. Donc il y avait des financements européens, puisqu'il y avait un projet européen sur le Life. Donc il y a déjà 1600 ou 1800 exemplaires qui sont partis gratuitement que pour des personnes qui ont aidé sur le Life. Donc, déjà, le gros du public. Averti, ils ont eu le bouquin. Après, il n'empêche qu'il y en a qui ont été vendus et on parle de, je ne sais plus, vendus, on doit être plus de 2000 exemplaires. Tous ces livres-là vendus, il faut. C'est quand même un public. Alors, bien sûr qu'il y a dans les librairies, il faut tomber dessus, il faut être curieux, il faut être au bon rayon. Il y a des libraires aussi qui défendent les livres. Donc, il y a plein de librairies, en effet, où ils nous rappelaient au bout de 10 jours, j'en ai plus. Mais le livre, il était à l'entrée, ça leur a plu, etc. Il y a ceux qui n'ont plus qui n'appellent pas. Voilà, c'est ça. Et après, il y a aussi ce travail des auteurs. Hein, mais ça, tu dois bien le connaître. Les auteurs doivent aussi défendre leurs livres. Et nous, ce livre-là, à travers l'expo, etc., on est allé aussi l'amener à droite à gauche, sur des festivals, il a été au Parc national des Pyrénées. Comment qu'on fait ?
Oui, c'est ce que j'ai fait. Moi. Ce qu'il faut, ah, ouais. Voilà. Je vais l'éteindre, ça sera mieux. Donc voilà, l'exposition est partie au Parc National des Pyrénées, il est parti à plein d'endroits, en fait, même dans le Parc National des Pyrénées. Il y a plein de gens qui aiment les Pyrénées, d'accord, c'est sûr. Oui, hein. Oui. Nous, le but, c'est pas de vendre ça, de pas de vendre au public de Dunkerque. Enfin, voilà, c'est quand même des gens qui sont... Oui, ça reste localisé. C'est sûr. Hein. Ouais. Donc, le rôle des auteurs, oui, c'est très important. Voilà. Et donc, tout ce travail-là, je vois le nombre de bouquins qu'on a vendus sur une table à la sortie d'une expo, bah, c'est sûr que c'est non négligeable. Ouais. C'est non négligeable. Et ça, c'est des gens qui arrivent là, qui connaissent pas le Desmond, le nombre de personnes qui sont arrivées. On est allé à Montier-en-Der, bien sûr, le festival naturaliste, le plus grand en France, un des plus grands d'Europe. Le nombre de personnes qui sont arrivées là-bas, c'est que des gens qui connaissent la nature, sensibilisés et tout. Et trois quarts, ils n'ont jamais entendu parler du Desmond. Oui. Bah, et ça fait des gens encore qui vont apprendre à connaître ce Desmond. Et donc, dans les Pyrénées, il y a encore un paquet d'espèces, on pourrait s'amuser à faire ça. Il y a bien sûr le triton, hein, on en parle, et nous c'était le tome 2, le projet en cours, mais ça reviendra peut-être. Ça va venir. et voilà, il y en a plein d'autres, on peut s'amuser à en faire un, pourquoi pas sur le GPET, même si il faut aussi des espèces emblématiques qui vont faire connaître la collection à d'autres, et du coup s'intéresser à d'autres espèces parce qu'ils ont aimé un type de livre, et du coup ils vont s'intéresser à d'autres espèces derrière. Voilà, il y a besoin toujours un peu de leader aussi dans ces choses-là. Ouais. C'est sûr. Après, c'est vrai que même l'approche du livre d'Ariel Grandeur Nature par paysage, c'est extrêmement intéressant aussi. Ouais, c'est pertinent. Moi, c'est pertinent, je trouve, ouais, complètement. Ça fait un peu balade. C'est-à-dire, on se retrouve par chapitre, on se retrouve dans un milieu. Hop, puis il est bien rythmé, enfin, la construction. Tout à fait, oui. Et la construction, elle nous a été fournie par les gens de l'ANA. C'est ça. Et nous, on l'a mis en forme. Alors, il y a eu un gros travail d'échange entre la maquettiste et eux. Mais c'était... Chaque fin de chapitre se termine par une observation sur le terrain avec des dessins de qui est là. Et donc, ouais, ça c'est le boulot de construction. C'est un chantier quand même. Ces deux ouvrages, je les trouve pertinents en tant que vulgarisateur du coup. Oui, parce qu'ils sont très différents. Mais il faut qu'il y ait une narration, il faut qu'il y ait une trame derrière pour arriver justement à ce que le livre soit intéressant dans son ensemble, que ce soit pas juste un guide technique, sinon bon, ça se lit pas un guide technique. Hein. Mmh. Et là, les éditions qui font ça. Oui, ils font des livres hyper techniques. Oui, bah, Biotope. Biotope, c'est ça. Mais voilà, mais je trouve que l'approche par paysage, par habitat, c'est pertinent dans un point de vue d'approche écosystémique. L'approche par enquête, que tu disais vraiment, ça se rapproche d'une enquête journalistique, mais bon, en travaillant dans la recherche, je veux dire, l'enquête, c'est aussi un travail scientifique. Les scientifiques, quand ils travaillent sur un sujet, c'est vraiment littéralement une enquête. On cherche une réponse à une question, à une hypothèse, et on va trouver des indices qui vont permettre de remettre les pièces du puzzle. Donc, en fait, la narration sur ces livres sert aussi la vulgarisation dans un certain sens, quoi, à montrer justement, de manière un peu informelle, l'approche scientifique ou l'approche écosystémique. Et je pense que dans la création d'un ouvrage, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger non plus. Quoi. La narration, pas seulement comme outil pour capter l'attention, mais aussi comme outil de vulgarisation en donnant un fil rouge intéressant. Mais pour moi, ça va ensemble. Hein. Vulgariser et capter l'attention, bien sûr. C'est presque la même chose. Ouais. Parce qu'à partir du moment qu'on n'est pas capable de capter l'attention... les gens, en fait, le but de vulgariser, c'est que les gens apprennent des choses et s'en souviennent, quoi. Sinon, il y a des livres dans la bibliothèque qui sont faits pour ça, qu'on a oublié. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut capter l'attention sans forcément que ce captage d'attention apporte une plus-value, quelque chose. Voilà, c'est vrai que de combiner tout ça, de dire on capte l'attention et en plus on présente une approche intéressante. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est. Moi, je pense qu'il y en a grandement de besoin, hein, surtout pour tout ce qui est. Pour revenir un peu sur le thème, les petites bêtes, les grosses bêtes et tout ça, et principalement sur les Pyrénées. Je pense qu'il y en a énormément besoin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais voilà, il faut faire ces connectiques parce que forcément, ce qui fonctionne, mais c'est la même chose pour les deux bouquins, c'est qu'il y a un moment, il y a quelqu'un, c'est son métier de diffuser, vulgariser, etc. Et puis il y en a, c'est leur métier d'avoir le contenu. Ah, oui. Et nous, c'est pareil ce qu'on a fait sur le Desmond, c'est quand même une association de deux personnes, c'est leur métier, c'est ceux qui, enfin, à l'heure actuelle, c'est les deux spécialistes du Desmond des Pyrénées en France et en Europe. Et voilà, et moi, mon métier qui est de vulgariser, de faire passer des informations. Voilà. Après, il faut une ouverture de tout le monde. Hein, Mais c'est hyper important de travailler en collaboration. Mais il faut travailler en collaboration, il n'y a pas le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a certains... c'est de plus en plus obligé dans les appels scientifiques et tout ça, avoir de la communication, mais souvent, malheureusement, elle n'est pas forcément toujours bien faite. Souvent,
il va y avoir des équipes scientifiques qui vont la garder pour eux-mêmes au lieu d'aller chercher un prestataire ou de la déléguer ou quoi. Mais des fois, il faut savoir le faire parce qu'en fait, ça fait la différence. Les scientifiques n'ont pas forcément cette formation de communicant. C'est pour ça qu'il vaut mieux le déléguer. Tout à fait. Souvent, comme c'est des budgets, qu'ils ont besoin de budget, ils se les gardent et en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est dommage parce qu'on peut faire avec pas beaucoup de budget. L'île sur le Descendant des Pyrénées, il n'y a pas énormément de budget de fonds qui sont alloués. Hein. Mais je me souviens, un truc très drôle, hein. Romain, quand on parle de faire le bouquin, le projet est monté depuis longtemps. Donc les lignes des budgets sont prises depuis longtemps. Et on dit, ce serait bien, c'est qu'on va trouver des lignes et tout. Et puis un jour, à force de discuter, ils me disent, ah d'ailleurs, on va faire notre calendrier qui était prévu à la fin. Oui, est-ce que tu veux pas mettre quelques photos, tout ça, etc. On discute. Puis je demande, mais ce calendrier, là, vous avez quoi comme budget pour le calendrier? C'était un budget qui était énorme. Je dis, non, mais on va le changer, on va faire un bouquin avec ce budget-là. Ah ouais, carrément. Bien sûr que là, c'est auto-édité, on est passé beaucoup de temps, et puis on s'est retrouvé sur des ventes, tout ça, etc. Enfin, pour eux, ils sont salariés, c'est différent, mais moi, en tout cas. Mais pour lancer ça, il faut au moins une base de financement. Et là, on parlait sur un truc de je sais plus, c'était au bout de 3000 euros, mais en fait, ça faisait la base pour se lancer. Après, on a trouvé 2-3 petits fonds ailleurs. Ça faisait la base pour partir, en fait. Et si on les a pas, on part pas. Et en fait, des fois, savoir où les mettre, savoir chercher des personnes pour qui c'est le métier, que ce soit directement un éditeur, soit des personnes en communication ou en photo, ou en photojournalisme, pour qui c'est leur métier d'apporter ces informations. Mais justement, cette mise en collaboration, elle est pas simple. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, je peux parler un peu en connaissance de cause, dans le sens où j'ai déjà une expérience dans la recherche scientifique, donc je vois très bien comment ça se passe dans ce milieu. Là, je travaille dans la vulgarisation, la communication, et mes parents sont éditeurs. Donc je connais un petit peu aussi ce milieu-là. Et effectivement, en étant un peu à l'interface de tout ça, je me rends compte qu'en fait, pas mal de milieux ne se connaissent pas, quoi. C'est-à-dire, les scientifiques n'ont aucune idée de comment ça se passe dans le milieu de l'édition, les éditeurs, pour la plupart aussi, ne sauront pas trop comment démarcher des scientifiques, et inversement, et comment ces scientifiques trouveront une personne pour faire la médiation par rapport à... C'est pas simple en fait, tout le monde est un peu dans son coin, tout le monde a envie d'avoir un peu les autres et... Puis chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité et voilà. Et c'est bon, des fois ça marche, hein. des fois les gens se trouvent. C'est pas simple, plein de fois on se rend compte, on parle d'un projet de recherche et puis les gens disent ah mais c'est génial, on aurait pu faire ça si on avait su. Et puis et c'est dommage que on était pas... L'œil du souffleur. L'éditeur. Ah, ça va mieux. C'est une manière de couper la parole en soufflant. Non, mais sinon, j'avais fini. Mais je suis d'accord avec toi, en effet. C'est aussi un problème de la structure des projets scientifiques de manière générale. C'est que, donc là, on est en train de travailler sur le CEN, sur d'autres projets, etc. En effet, on parle, ça fait déjà un an et demi qu'on en parle. Le projet va être validé. Ça va commencer dans 2 ans. Et donc, on va en entendre parler dans 3. C'est un projet qui va durer 6 ans. Moi, j'arrive, si j'étais pas en amont à les connaître, etc., j'arrive pas au milieu de ce truc-là, les lignes sont déjà prises, les lignes budgétaires sont déjà prises. En fait, il n'y a pas vraiment d'espace pour moi. Et du coup, en fait, c'est compliqué. Alors que après, au fur et à mesure, en amont, mais en fait. En effet, je suis d'accord avec toi que c'est compliqué de faire des liens, mais je pense qu'aussi, il y a un côté souvent du milieu scientifique de dire, la communication, on verra plus tard. En fait, c'est pas vrai. Alors, la communication, il faut la voir en amont, parce qu'en fait, ça va être primordial pour après relever des fonds plus tard. Pour après remonter sur ça. Mais c'est vrai que comme je dis, c'est que les scientifiques n'ont pas. Dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui sont très compétents aussi, il y en a beaucoup qui font de la communication et de la vulgarisation en plus de leur travail, même si aujourd'hui, de manière générale, c'est pas trop compris dans les fonctions des travaux de recherche. Tout simplement parce que il n'y a pas les compétences. Je veux dire, déjà, ce ne sont pas forcément des gens qui sont formés. Des fois, ce sont des gens qui ont la fibre, la passion, et donc ça passe. Mais c'est pas une formation qui est liée au métier. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas le temps, ni les moyens, en fait. C'est vrai que dans la recherche, il y a de plus en plus une exigence de production, etc. Et tout le temps passé en dehors du travail, il est aussi passé dans la recherche de financement pour ses propres recherches. C'est un peu compliqué d'arriver. Généralement, les scientifiques, il faut aller les chercher. Et très peu viendront par eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que, et on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, je connais très, 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 très peu de projets scientifiques financés qui n'ont pas... une enveloppe communication. Mais c'est quand même assez récent. Hein. C'est assez récent, on est d'accord. Ça a quelques années. Mais ça vient, c'est vrai. Il y a une enveloppe communication, et souvent, malheureusement, elle n'est pas forcément
utilisées à bon escient. Il y a, voilà, il y a, en fait, ouais, enfin, ça on dépend. Pourrait faire des choses plus intéressantes avec cette même disons somme. Disons que ça dépend, en fait, ça dépend de ce que nous on place derrière l'idée d'une communication et ce qu'un scientifique passe derrière l'idée d'une communication. Là, par exemple, c'est vrai que le dernier projet sur lequel j'ai travaillé donc, a un budget communication, donc la communication va se faire. À titre personnel, j'aimerais que ce soit plus de la vulgarisation grand public, un petit peu comme dans l'idée du Desmond, présenter l'espèce sur laquelle on a travaillé et donc tous les enjeux qui y sont associés, etc. Mais je sais très bien aussi que pour la plupart des partenaires du projet, ils préféraient faire justement un cahier technique à destination des gestionnaires. Donc quelque chose de plus professionnel, une communication plus technique pour des gens qui vont travailler sur le terrain ensuite. Voilà, donc en fait, voilà. Mais là où ça va se mordre la queue au moins, c'est que les financeurs, surtout les financeurs nationaux, européens, etc., eux, ce qui leur intéresse, c'est des retombées grand public. Et ça, oui, mais ça, c'est un peu un souci. C'est que généralement, voilà, les financeurs veulent des retombées grand public, mais quand on voit les budgets alloués à la communication scientifique, oui, c'est sûr, c'est pas énorme. Je veux dire, ils espèrent faire du. Enfin, ils espèrent qu'il y ait du buzz qui se fasse, en fait, mais bon, les moyens ne sont pas forcément donnés. Enfin, sont pas forcément suffisamment conséquents. Oui. J'ai bien vu que vous vous ajoutiez. Pour compléter par rapport à ces aspects financiers, donc là, je suis Julien Verne, je fais partie des auteurs de Grandeur Nature. Et clairement, ça fait partie des choses où on n'avait pas de budget pour faire ça. Donc c'est un travail qu'on a fait entièrement de façon bénévole. Et on n'avait pas de budget non plus pour aller voir un éditeur. Et j'en remercie. Je remercie Henri. En fait, quand on lui a proposé le projet, on a dit voilà, on vous amène le contenu, voilà une idée précise de ce qu'on voudrait, mais en fait, on vous demande de faire l'avance, de vous opérer entre guillemets sur les ventes du bouquin. Et ça, c'est pas toujours évident. Et on a été aussi essayer d'aller chercher des financements, et en fait, tous les financeurs nous ont dit mais non, en fait, votre projet, ça demande trop de travail, et de fait, on a travaillé 3 ans pour pouvoir prendre le contenu. Et souvent, le côté médiation et vulgarisation scientifique, c'est des choses qui demandent du temps, plus que de faire une publication scientifique où on livre, entre guillemets, des données un peu brutes. Là, il faut les retravailler pour qu'elles soient accessibles. Et ce temps-là, généralement, les financeurs n'en ont pas conscience et ne comprennent pas qu'on demande du temps. Si jamais c'est pour du grand public, on se dit que c'est simple, en fait, et qu'il n'y a pas besoin de dépasser trop de temps. Et souvent, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour évoquer, mais bon, ça c'est quelque chose de général, hein, chez les financeurs. Dès qu'on va faire des trucs grand public, souvent ils répondent oui, mais bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de sous pour ça, et c'est des choses qui sont faites, des budgets un peu à la marge. C'est vrai que je peux revenir là-dessus avec une petite parenthèse, mais oui, dans les métiers de la vulgarisation, et en tout cas, c'est vrai que la vulgarisation ça, scientifique, hein, ça se fait de plus en plus. C'est quand même assez récent, j'ai envie de dire, comme domaine aussi, mais il y a de plus en plus de personnes professionnelles qui travaillent dans ces milieux-là. Et c'est souvent des personnes en auto-entreprise, ou alors sur des petites associations. Et c'est très très compliqué de faire rémunérer le travail à sa juste valeur. Je sais que généralement, les financeurs vont payer le produit fini, ils ne paieront jamais la conception. Alors que la conception, effectivement, comme tu disais, c'est quelque chose de long. Et c'est un vrai. Bah, du coup, c'est même l'essence même du travail de vulgarisation. Toute la professionnalisation, toutes les compétences sont là, en fait, sont dans cette conception. En grande majorité, bien sûr, il y a aussi dans la restitution, etc. Mais la conception est extrêmement importante, c'est ce qui demande le plus de travail en termes de travail sur les sources, de rédaction, etc. Et c'est un travail qui n'est quasiment jamais rémunéré. Donc c'est ça qui rend aussi la chose un petit peu compliquée. Ouais. Voilà. Pour compléter ce que vient de dire Julien, le Pas d'Oiseau a jamais fonctionné avec ce vocabulaire de ligne de budget. On fait des livres qu'on nous propose et auxquels on croit. Donc des fois on se plante, des fois on se plante pas. Et avec la NAS qui a été de particulier, c'est que eux se sont quand même engagés à nous acheter un certain nombre de livres qui finançaient une bonne partie du tirage, du coût du tirage. Et donc, et comme moi j'étais sûr que c'était un livre qui se vendrait vraiment bien en librairie, j'ai pas eu l'impression de prendre un risque
Vous voyez le truc. Et des fois, on se plante complètement. C'est-à-dire que, avec l'université, j'ai vu deux exemples très contradictoires. Un très bon, comme j'ai cité tout à l'heure, l'autre très mauvais, parce que le monde universitaire, souvent, je généralise peut-être, mais enfin, les expériences que j'ai eues, ça a été ça. L'argent, on n'y touche pas, ça ne nous concerne pas. Mais il y a telle mairie qui va vous acheter 200 exemplaires, donc on met ça dans le contrat et tout. Et au bout du compte, la mairie a acheté 50 exemplaires. Donc au moins, c'était un bide énorme. Mais bon, peu importe. Après, chaque livre a son histoire et on ne maîtrise pas toujours... Là, par exemple, j'ai un petit exemple récent qui est quand même assez étonnant. J'ai publié un bouquin de témoignages pour marquer les 20 ans de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Manuscrit proposé par celui qui avait créé l'association des sinistrés, qui avait été extrêmement médiatisé. Moi, ayant vécu la chose de très près, quand j'ai lu le manuscrit, je me suis dit, je ne peux pas refuser ça. Il n'y avait pas un investissement. L'investissement était très faible. C'était un livre sans photo ni rien. L'auteur m'assurait beaucoup de communication autour de relais dans la presse et tout, ce qui s'est confirmé. J'ai jamais eu autant de... Sur France Inter, ils en ont parlé toute la journée. Il a été invité dans 3 émissions. Il a été à RTL, enfin, un tas de trucs. Oui, c'est bien. Mais au total... c'était donc en septembre qu'il est sorti. Si sur toute la France j'ai vendu 100 exemplaires, et là c'est incroyable. Quoi. Enfin, c'est incroyable. Après, il faut analyser pourquoi. Hein. C'est-à-dire que moi, devant son enthousiasme que je voulais bien partager, un peu par principe, je dirais, dans ma tête j'avais quand même des petits questionnements. C'est-à-dire que la question fondamentale c'était est-ce que les gens veulent se souvenir de ça ? En fait, la question, comprenez la réponse. Mmh. Voilà. Donc voilà, bon, c'est des trucs. Après, sur un livre comme ça, la presse, elle n'a pas un rôle. Elle peut servir, elle sert. Hein, mais le sujet a son évidence et les gens trouvent le livre. Mmh. Et c'est très curieux comme à chaque fois je. Alors que nous, la presse a été très importante pour celui-là. Ah ben oui, oui. Parce oui. que, on faisait à travers la presse, on faisait découvrir une espèce, et ça faisait aux gens, mais qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, oui, non, mais c'est sûr. Voilà. C'est, ouais, ouais. Après, la presse, c'est un plus, quand même. Hein. Ouais. Mais c'est un plus si le sujet est évident. Oui. Sinon, il ne faut pas compter, la presse, notamment la presse papier, a un pouvoir prescripteur qui s'est réduit de manière incroyable. C'est-à-dire, il y a 20 ou 30 ans, vous faisiez un bouquin, vous aviez un article important dans la Dépêche, enfin, pour rester dans le local, c'était porteur. Quoi. Ouais. Maintenant, j'ai eu des trucs des fois. C'est incroyable. Les médias évoluent. Hein, oui, les médias évoluent, ouais. Monsieur. Oui. Et puis non, il y a un truc à pas négliger, c'est qu'il sort un nombre de bouquins phénoménal, et que bon, on peut pas demander aux gens d'être au courant de tout. Quoi. Donc ça paraît aussi évident que dans la masse. Même des très bons livres peuvent passer inaperçus. Ah, oui, non, mais ça arrive, hein, ça arrive. C'est sûr. Non, c'est pour ça, c'est une alchimie complexe. On peut demander. Oui, s'il y a des questions, bien sûr. Vous avez des questions qu'on parle. par rapport à ces petites et grosses bêtes. Ou autre, la vulgarisation. Ou autre. Mais on peut revenir sur les petites bêtes. Et sensibilisation qui est liée derrière non plus. Bon, bah écoutez, moi oui. Moi oui. Alors, moi, je suis toujours sur cette vulgarisation, sur cette sensibilisation. Moi, ce qui me fait peur, c'est cette publicité qui est faite sur le désement, qui est faite parce qu'il y a plein d'espèces aussi qui sont en danger. Peut-être pas en voie de disparition, mais vraiment en danger. Est-ce que... Alors moi, ça m'a fait penser aux marmottes que je vais voir du côté de la vallée, je sais plus, du côté de... Orlu. Ah oui, ben, Orlu, voilà, par là-bas. Les marmottes, on en voit, hein, et puis on les entend siffler, tout ça. Mais cette publicité, les gens qui risquent, qui vont aller voir les marmottes, est-ce que c'est pas un peu risqué? Est-ce que ça n'a pas un effet contre-productif de celui qui va laisser traîner son goûter, qui va laisser... Voilà.
J'ai juste envie de rebondir parce que l'exemple de la marmotte est assez intéressant. Très récent. Puisque la marmotte n'est pas du tout originaire des Pyrénées. Elle a été introduite dans les Pyrénées. Donc en fait, il faut voir aussi de. Quand on parle de la nature, donc la nature des Pyrénées, c'est assez amusant. On se heurte souvent à ça. C'est que chacun a sa vision de la nature des Pyrénées, de sa nature. Il y a des gens qui vont dire la marmotte, elle fait partie de la faune des Pyrénées, ce qui est vrai, hein, aujourd'hui elle fait partie de la faune des Pyrénées. Mais à l'échelle écologique sur du très long terme, la marmotte, c'est pas une espèce particulièrement emblématique des Pyrénées. Techniquement, non. Enfin, c'est un petit peu l'exemple aussi qui moi me frappe le plus, parce que là il y a un vrai enjeu écologique derrière, ça va être la présence de poissons dans les milieux aquatiques de montagne, et notamment dans les lacs de montagne. Les poissons ne sont normalement pas naturellement présents dans les lacs de montagne. Ils ont été tous introduits, alors plus ou moins récemment, savoir qu'il y a des introductions qui remontent à extrêmement longtemps, on date les premières depuis le néolithique, donc voilà, il y a des populations de poissons dans les lacs de montagne qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années, mais ça, c'est censé représenter moins de 5% des lacs. Aujourd'hui, plus de 95% des lacs sont empoissonnés, et ça s'est fait dans les 50 dernières années. Et là, il y a un vrai enjeu écologique. Pourtant, quand on parle des poissons dans les lacs de montagne, les personnes disent c'est patrimonial, c'est culturel, c'est normal que les poissons soient là. Alors que finalement, écologiquement, ça représente un réel problème pour la faune locale. Voilà, c'était juste la petite parenthèse autour de ça. Ouais. Mais non, mais c'est sûr que voilà, l'idée c'était de savoir si les gens qui viennent, etc., est-ce que c'est un problème ? Ça dépend le point de vue que l'on a. Le mieux, c'est qu'il n'y ait personne dans les Pyrénées. On parle de vulgarisation. Oui, le mieux, c'est s'il n'y ait personne dans les Pyrénées, on n'y a pas de problème. C'est ça. Donc ça, on est à partir du moment qu'on estime qu'il doit y avoir des gens... On ne va pas les chasser tous. Et ben, c'est une vitrine. Enfin, ça, voilà, on n'a pas le choix. Ça, il y a forcément ce contrôle. Il y a une économie aussi qui... En fait, oui, il y a plein de choses. D'un point de vue de sensibilisation à l'environnement, c'est toujours ce compromis entre... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... On amène les gens voir la nature, c'est intéressant, c'est par l'approche sensorielle aussi que beaucoup de choses passent. Mais d'un côté, est-ce que aller effectivement voir les espèces, piétiner des prairies, etc., ça va pas induire aussi un dérangement, etc. Eh ben, c'est toujours une question de compromis, quoi. C'est important de le faire, mais pas forcément avec beaucoup de monde, pas forcément de manière trop intensive, etc. Et bien sûr, il faut aussi préciser, hein, je le précise, peut-être que c'est ce que tu allais dire, je ne sais pas, mais je le précise que la plupart des espèces, dans leur grande majorité, il est interdit de les manipuler, on ne les capture pas, etc. C'est toujours très stressant pour les animaux. Si jamais vraiment on veut aller observer la nature, et il faut le faire avec certains connaissance de certains gestes, de certains comportements, et le mieux étant d'être accompagné de quelqu'un qui connaît sur des sorties naturalistes, etc. Ouais, certain respect. Oui. je vais prendre un exemple pour faire le parallèle. Il y a plein de revues qui existent sur les voitures, par exemple, et donc qui incitent les gens à aller voire acheter des voitures. En même temps, parce qu'une voiture, ça peut être beau, ça peut être, je sais pas, ce qu'on veut, et en même temps, si jamais on ne sait pas se servir d'une voiture, et eh bien forcément, on risque de ne pas forcément faire les bonnes choses avec une voiture. Donc il y a le côté éducation qui est important. Voilà. Et ce qui est important, c'est le discours qu'on va avoir, d'amener les gens dans la nature. Enfin, j'estime, comme tout un tas d'autres, que c'est nécessaire, et les gens en ont besoin de toute façon, donc autant faire joindre l'utile à l'agréable. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de sans forcément éduquer, mais en tout cas expliquer aux gens. Et après, les gens sont grands, et c'est eux qui diront ce qu'ils ont envie de faire par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est de leur expliquer les conséquences que ça peut avoir si jamais ils vont nourrir des marmottes, etc. De leur expliquer que ça peut générer du diabète, que ça peut générer tout un tas de choses, des comportements qui ne sont pas naturels. Naturels, oui. Et voilà. Donc le discours est important, et c'est aussi, à mon avis, un des enjeux dans la vulgarisation. Il y a le porter à connaissance, mais il y a aussi, et c'est ce que font, Hugo notamment avec Naturam, quoi, c'est aussi d'aller au-delà de juste l'aspect naturaliste et d'expliquer les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue écologique. La main de l'homme a des conséquences. Quoi qu'on fasse, on est déjà dans les conséquences, en fait. C'est vrai qu'on peut dire que l'environnement, depuis même l'écologie de manière générale, c'est juste une succession de causes et de conséquences qui en entraînent de nouvelles, etc., etc.
l'évolution, tout ça, c'est exactement ça. Et la présence humaine dans les milieux, c'est juste une nouvelle cause qui a entraîné de nouvelles conséquences. Les écosystèmes qu'on a aujourd'hui dans quasiment tous les milieux du monde sont plus ou moins impactés par la présence humaine. On découvre encore aujourd'hui que certains aspects de forêts qu'on pensait totalement vierges auraient en fait des traces de culture, d'agriculture, etc. Voilà, la présence humaine est partout, l'écosystème a été aussi modelé parce qu'on est là, on fait partie aussi de l'environnement en quelque sorte. Donc c'est bon aussi de le savoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement, dès qu'on se retrouve dans un milieu, même en montagne, même en haute montagne, on n'est pas dans un milieu qui est totalement vierge non plus, il a aussi été déjà impacté par la présence humaine. On ne peut pas totalement le gommer, mais effectivement il faut le faire avec la nature, avec parcimonie, avec respect, etc. autant que possible. Éducation. Oui, bien sûr. Ouais. L'éducation voilà. pour certains respects. Ouais. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours C'est sur les différents comportements à avoir, on n'a pas forcément toujours la logique de comprendre ce qui peut être le plus impactant. Oui. Parfois, on peut se dire, tiens, je vais faire ça, c'est pas très grave. Ou alors, oh là, quelqu'un qui fait ça, ce serait catastrophique. Par exemple, quelqu'un qui laisse traîner une bouteille en verre, bon, en termes de pollution, c'est pas ce qu'il y a de pire. Voilà, c'est ça, exactement, voilà. Parce que oui, du plastique, c'est déjà plus problématique. La couche 2022 sera marquée par la présence de masques. Mais c'est sûr, les autotests. Les autotests et les masques. Là, on a des niveaux repères, j'irais même plus loin que toi en disant le paysage actuellement, il est quasiment entièrement modelé par l'homme. Ah oui. Tout d'un point de vue végétal, presque animal, et même d'un point de vue morphologique. Mais du coup, c'est vrai que. L'évolution, depuis le néolithique, c'est vraiment l'histoire humaine qui a modelé le paysage qu'on a actuellement. Ah, mais c'est sûr. Il n'y a pas une raison pour ne pas le préserver. Exactement. Après, voilà, là où je voulais en venir avec cet exemple, parce que ça, au niveau des différents comportements à avoir. C'est quoi, des gens pourraient être choqués de voir traîner une bouteille en verre, alors que finalement, en termes de pollution, c'est pas le pire. Et je sais qu'il y a certaines pratiques que des gens font en se disant c'est des pratiques nature, qui ont en fait beaucoup d'impact, mais sans forcément le savoir. Je sais qu'il y a eu une mode à un moment, alors je sais pas si c'est passé ou quoi, qui était de randonner dans les cours d'eau, de marcher dans la rivière, en se disant bah oui, mais c'est bien, c'est la nature, on se fait du bien aux pieds, de toute façon, il n'y a rien qui vit là-dedans. Voilà. Alors que ça a forcément un impact énorme sur toute la faune et la flore des cours d'eau, mais c'était pas fait avec de mauvaises intentions, et pourtant ces gens-là avaient ce comportement sans trop se dire qu'ils auraient pu avoir un impact grave, et ils auraient été choqués de voir traîner quelque chose par terre qui aurait eu un impact moins fort. Donc il y a cet aspect aussi de l'impact qu'on a qui est très subjectif, et justement pour sortir de cette subjectivité et revenir un peu dans l'objectivité, c'est là que la vulgarisation prend son sens, quoi, de transmettre des informations factuelles et objectives. Voilà, histoire de mieux comprendre son environnement aussi et l'impact qu'on peut avoir dessus. Peut-être juste un point par rapport à ça, le regard qu'on peut porter sur l'environnement et les intentions qu'on peut avoir, qui nous guident à intervenir sur cet environnement, elles sont importantes. Un exemple qui s'est beaucoup développé avec les histoires de confinement, c'est le fait de nourrir les oiseaux sur les mangeoires. Ça part d'un bon sentiment, on se dit « Oh, les pauvres oiseaux, on nous raconte, les scientifiques nous disent que les populations d'oiseaux se cassent la figure, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est trop horrible, et donc on va les nourrir. » Et sauf qu'en fait, on ne regarde pas avec quoi on les nourrit, on ne regarde pas quand et comment on les nourrit, et en fait, en voulant bien faire, on induit tout un tas de... En fait, on accentue le déséquilibre qu'il y a déjà, et on le fait aller encore plus vite et encore plus loin dans des choses, dans des proportions qui n'arriveraient pas d'habitude. Et nous, en fait, régulièrement, on est confronté à ça, et quand on dit aux gens, le mieux, c'est de ne pas nourrir les oiseaux, c'est de les laisser vivre leur vie. Ils sont grands, ils étaient là avant l'homme, et ils seront là après l'homme. Ils n'ont pas besoin de nous, il faut les laisser vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à entendre pour les gens qui ont envie de bien faire, qui ont envie de faire des gestes pour l'environnement. Et donc, on a cette dichotomie en nous, en tout cas en tant qu'être humain, à avoir ce côté un peu interventionniste et à se dire, puisqu'on a détruit, on doit essayer de réparer, mais sans forcément avoir toutes les clés et sans forcément avoir toute la bonne grille de lecture et de,
d'avoir un comportement adapté. C'est vrai que cet exemple des oiseaux est intéressant parce que beaucoup de gens vont dire je veux aider les oiseaux, donc je les nourris. Et quand on leur dit finalement le mieux, ce serait que vous laissiez pousser votre pelouse et ne pas tailler vos haies pendant les périodes de nidification, et les gens ils vont dire ben non, ce serait sale. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi qui est. Ils nourrissent les oiseaux pour les regarder de leur fenêtre. Bien sûr. Et puis ils n'iraient pas nourrir d'autres, ils n'iraient pas nourrir les insectes par contre. Voilà. Alors qu'ils seraient aussi tout aussi importants. Voilà. Il y a cet aspect aussi, les oiseaux, les mammifères, etc. C'est des espèces qu'on aime bien voir. C'est joli, c'est grand. Voilà, je pense que si on décidait de faire un ouvrage centré sur une espèce de mollusque ou d'insecte un peu moche, ça aurait peut-être beaucoup moins de succès. Je pense qu'il faut choisir le bon. Voilà, le bon, voilà. Et c'est aussi tout l'intérêt de ces espèces-là. Voilà. Les espèces patrimoniales ou l'espèce parapluie, il faut qu'elles s'attirent aussi la sympathie du public pour que ça fonctionne. Et pour ça, je dirais qu'il y aurait deux approches, quoi. Soit on prend une espèce qu'on sait sympathique et on capitalise là-dessus, on prend un panda, ça passe bien, ou alors on prend une espèce un peu moins connue et on essaye de la rendre sympathique. Je pense que le chien, c'est un peu ça. Le chien, oui, qui est moins connu, tu sais, qui a un capital sympathique quand on apprend à le connaître, moitié top, poisson, éléphant, voilà, alors qu'elle ça parle. Une tête un peu improbable. Voilà, exactement, c'est l'ornithorynque français, entre guillemets. C'est ça. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un insecte des Pyrénées qui soit tout autant intéressant et qui permettrait de parler de d'autres insectes dans une même série comme ça. Et voilà. Et c'est... Alors, on en reparlera. Moi, pour le dessin, ça me fait penser l'allusion aux oiseaux. Je ne nourris jamais les oiseaux. Ni les parce décements. Que j'ai un chat. Non, les dessins, c'est pas grave. Je ne nourris jamais les oiseaux parce que j'ai un chat. Et déjà, dans la nature, il se sert. Si en plus je les appâte en les mettant dans un arbre qui est dans mon jardin, ça va être. Si on commence à parler de chat là. Donc je protège les oiseaux. Ça tourne mal. Allez, vous parlez de les nourrir. On va s'arrêter là. Alors est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas l'heure qu'il est. On arrive à l'heure. Moi, c'est bon. Positionnement par rapport aux ours. Oui, j'ai pas osé. Parce que moi, j'habite à l'arrière. Enfin, j'ai une maison à l'arrière, je sais. Et ben voilà. Alors on y va. J'ai aucun problème pour parler de l'ours parce qu'il faut savoir justement partitionner le sujet. Si on parle de l'ours, est-ce qu'on en parle d'un point de vue écologique? Est-ce qu'on en parle d'un point de vue sociologique? Est-ce qu'on en parle d'un point de vue politique? C'est une espèce. Enfin, la présence de l'ours dans les Pyrénées aujourd'hui regroupe justement tous ces aspects. Donc, moi, je sais qu'en ma qualité professionnelle, je pourrais parler de l'aspect écologique. Pour l'aspect économique, sociopolitique, etc., j'aurais pas forcément les connaissances ou les compétences, j'aurais un aspect qui serait beaucoup trop subjectif. Voilà, je pourrais en parler en connaissance de cause, mais ce sera mon avis. Si je veux vraiment donner une expertise, ce sera uniquement sur le volet écologique. Et voilà, ce qu'il faut comprendre sur ces espèces, c'est qu'elles regroupent beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de bonne chose ou mauvaise chose dans l'absolu. Surtout que même la situation est très hétérogène sur les Pyrénées, avec la présence de l'ours. Et l'impact même qu'il peut avoir est aussi très hétérogène en fonction même des individus ou des massifs sur lesquels il sera présent. Après, pour ce qui est de la présence d'un grand prédateur sur un massif montagnard, je trouve que c'est écologiquement, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, la présence des grands prédateurs il y a toujours eu des grands prédateurs en fait dans les écosystèmes. D'un point de vue purement fonctionnel, en termes d'écologie fonctionnelle, les grands prédateurs sont indispensables pour le maintien d'un équilibre d'un écosystème, justement. Donc sans trop rentrer dans les détails, il y a besoin de cette stratification trophique avec des prédateurs au top de tout ça. Si jamais on enlève ces grands prédateurs, forcément, tout ça va se répercuter dans la chaîne alimentaire, en gros, et donc va modifier les communautés, qui fait qu'on peut arriver à un nouvel état d'équilibre, hein, mais on sera sur une communauté écologique différente. Donc en fait, la présence de l'ours a du sens écologiquement en termes de présence de grands prédateurs. Le truc, c'est que effectivement, on est sur une réintroduction, il y a forcément, il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière, et il y a les présences, l'activité humaine, etc. Donc forcément, on ne peut pas dire juste on parle que du volet écologique, c'est pas possible. Voilà. Mais il y a un angle de vue. Voilà. Moi, j'avais travaillé, du coup, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, le loup et l'ours en France, du coup, sur des reportages
complet. Hein. L'idée à chaque fois, c'est un côté journalistique sans moins de parties possibles, etc., en donnant la place à tous les acteurs. Donc je ne vais pas trop donner d'avis, j'ai pas trop d'avis à donner. Pardon, j'étais un peu choquée parce que la couverture de l'Ariégeois, la dernière, là, c'est un cadavre. Ouais. Alors l'Ariégeois, savoir qu'ils sont quand même très très orientés. Ils sont pas très objectifs. Moi, je vais voir des magazines qui, derrière, peuvent orienter s'ils veulent. Ah oui. Mais c'est pas moi qui veux orienter mes sujets. Voilà. Bon, et du coup, tout dépend en fait de l'angle de vue qu'on a envie de prendre. Si on a envie de se dire, bon, ben, l'ours, on est à cette situation maintenant et il y a des faits politiques qui font que, etc., qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y réfléchit. Si on a envie de se dire qu'on a envie de penser que sur la partie plutôt moi au quotidien, dans mon quotidien, etc., on en a une autre. Si on est parti sur la partie écologiste, on en a une autre. En fait, il y a plein d'angles de vue, il n'y a pas de solution. Donc tout dépend l'angle de vue où on est. Et soit on a envie de partager l'angle de vue de ses voisins et essayer de trouver une solution, soit on n'a pas envie et ça ne va pas trouver de solution de toute façon. Voilà. C'est vrai que le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un. Mais le même magazine valorise la réintroduction du bouquetin, alors que peut-être que le bouquetin a gêné la vie normale des isards qui étaient là. C'est ça. Ouais, il y a un tas de questions, c'est insoluble, ces trucs-là. C'est l'histoire de société, il va valoriser la construction de baraques pour les bergers, avec des hélicoptères qui ont tourné pendant deux mois, et après vous lisez que les bouquetins sont effrayés par tout ce qui vient dans l'air. Donc la cohérence est très difficile à avoir. Je rejoins Hugo par rapport au côté la place que peuvent avoir ces animaux-là dans un environnement. Si on se pose d'un point de vue purement écologique, c'est clair qu'ils ont leur place comme n'importe quelle autre espèce. Après, le problème de l'ours, c'est plus un problème politique. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, surtout sur le département, parce que tout le monde y va de son avis et de son envie, etc. De son intérêt. Et au-delà de ça, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans la thématique de l'ours, c'est que ça pose, comme tout un tas d'autres espèces, mais ça pose le problème de quelle place on laisse aux sauvages chez nous. Jusqu'où on est prêt à aller pour laisser. Je pense que tout le monde est d'accord, tous les gens disent la nature c'est important, il faut la préserver. Je pense qu'il y a rarement des personnes qui vont dire non, la nature c'est pas bien, il faut tout éliminer. Au contraire, ils ne le disent pas forcément publiquement. Par contre, c'est jusqu'à où, enfin, comment se fait cette cohabitation et jusqu'où on accepte en fait que le sauvage, que la vie sauvage vienne interagir avec nos activités d'humain. Et est-ce que l'ours fait vraiment des dégâts auprès des animaux? Ah oui, bien sûr, l'ours fait des dégâts comme tout un tas d'autres espèces. Il y a plein de gens, on parle de l'ours, mais si on parle de la maladie Lyme par exemple, ça pose encore plus de problèmes, ça touche encore plus de gens. Et ça, on en parle moins, parce que c'est. Ou en tout cas, on ne parle pas avec les mêmes mots, on ne parle pas avec les mêmes termes. Parce que, justement, peut-être parce que ça touche plus de monde et qu'on considère que c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre. C'est que ça ne touche pas les activités économiques aussi, directement. Ça touche moins les activités économiques. Après, il peut y avoir des. Bien sûr, il peut y avoir. Mais c'est plus des personnes isolées. Alors d'accord, ça ne touche pas un secteur économique particulier. Voilà. Mais enfin, moi, je trouve c'est toujours intéressant en fait, d'aborder la question de l'ours par. Quelle place on lui laisse finalement? Tout dépend du point de vue aussi, en fait, encore une fois. Quelle place on lui laisse? En fait, quand on est berger ou éleveur et qu'on est dedans, on n'a pas envie de lui passer la même place que quand on habite à Toulouse et qu'on va dans les Pyrénées le week-end. Après, ouais, forcément, il y a un truc à prendre en compte aussi. C'est vrai que quand on parle d'écologie, c'est important de prendre un peu de recul, de hauteur aussi, pour voir les situations dans l'ensemble. Parce que quand on se retrouve à parler avec des éleveurs ou des bergers qui vont dire oui, ben, l'ours il a fait des dégâts sur mon troupeau, etc., y a toujours un désaccord qui se fait aussi avec les scientifiques ou les politiques qui gèrent plus à large échelle et donc qui vont avoir moins l'aspect individuel du problème, etc. Ce qui n'est pas bon ou mauvais en soi, hein, c'est juste une question de point de vue. Mais c'est important de le savoir aussi parce que beaucoup de personnes vont dire moi je suis impacté individuellement. Sans forcément se rendre compte non plus de l'impact que eux peuvent avoir aussi individuellement. Donc je ne jette pas la pierre ou quoi que ce soit, mais il faut aussi se rendre compte que la présence humaine dans les montagnes, elle a quand même été largement grandissante ces derniers siècles. Là, ça a beaucoup explosé. Il y a beaucoup plus de bêtes en montagne. Il y a eu beaucoup de déforestation aussi pour créer des zones ouvertes là où il n'y en avait pas.
Il y a beaucoup de pollution qui est associée aussi à la présence humaine, que ce soit par les troupeaux, que ce soit par la mécanisation, la construction de routes, de refuges, etc., le captage de sources. Donc en fait, voilà, les gens vont dire, en quelque sorte, d'un point de vue d'écologue qui voit le milieu naturel, moi je vois des humains qui s'installent et qui ensuite vont se plaindre qu'il y a des animaux qui viennent sur eux. Ben, ah, ça. On s'est mis chez eux. C'est voilà. Partout. Donc d'un certain côté, voilà, comme tu disais, il y a cette notion aussi d'avoir une certaine responsabilité. On ne peut pas vivre dans l'environnement naturel, pourtant c'est ce qu'on fait, on vit dans l'environnement naturel, voilà, mais on ne peut pas vivre en exigeant de n'avoir aucune contrainte liée au milieu naturel. Forcément, si on veut accepter la biodiversité et la nature, on ne peut pas totalement la contrôler. C'est souvent une question qui peut revenir, on peut arriver sur des sujets très philosophiques avec ça, par exemple sur des gens qui vont dire pourquoi est-ce qu'on n'irait pas éradiquer les moustiques ? Ça nous fait chier, ça sert à rien. Bah pour nous, oui, mais voilà, si on considère l'ensemble de l'environnement, non, éliminer une espèce, ça, c'est pas sans conséquence. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, mais là on est vraiment sur des aspects plus philosophiques que scientifiques, et donc, bon, ce serait un autre débat, je pense. Nous arrêtons là, ouais. Si vous me permettez. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Hugo, merci beaucoup Henri, c'était très intéressant, la preuve, on est bon, voilà. Merci. Un petit point sur la suite de la journée et un petit peu la matinée. Merci beaucoup à vous trois pour cette intervention et ces échanges. Merci à Julien aussi. Merci. On va faire une petite pause du coup jusqu'à 14h. Ensuite, il y aura les différents ateliers. Donc, moi, j'ai la liste des ateliers sur lesquels vous êtes inscrits. Donc, on verra ça tout à l'heure. Après, pour ce qui